À ton père, et au pot de ta merde. Merci Arnaud, merci pour ton prime, let's go, je pourrais être ton père, t'aurais pas de ta merde. Bon. Et bonsoir à tous, bonsoir à Thomas HD, bonsoir à Thomas Lunat, bonsoir à Thomas Vierrioc, bonsoir à Thomas Tête W, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une petite chanson et on se retrouve pour le live d'Azine les amis, à tout de suite. Hagrid a l'air chaud les amis. Je veux la paix.
Moi je veux la paix. Je veux la paix. Hagrid a clubé les amis, c'était incroyable, il était en forme. Je l'ai vu sautiller hors de sa cabane plusieurs fois, c'est incroyable les amis. J'ai jamais vu ça. Écoutez les amis, il est 18h22, comment allez-vous ? J'espère que vous êtes aussi chaud que Hagrid. Bonsoir à tous. Comment ça va les amis ? Alors, on n'est pas amis, allez. Salut G Bordeaux, salut Thomas. Comment ça va Thomas ? Salut Thomas. Hello Thomas, coucou Thomas. Coucou In Thomas, salut Nomi Thomas. Cyber Thomas, comment ça va? Salut tout le monde. Salut Blick Thomas. Salut Thomas 4, bien sûr. Ah, merci Thomas 999 pour ton quatrième mois. Ça fait longtemps que je t'ai pas pu te regarder en live, ça fait plaisir d'être de retour. Et oui, j'espère que vous avez bien aimé cette dernière chanson avec Hagrid qui était en forme. Oh là là, Hagrid était en forme, j'ai jamais vu comme ça, il est ronchon. Ouais, il était en kiff total quoi. Apparemment il est plus électro que rock si j'ai bien cru comprendre. Après j'espère quand même le faire aimer un peu plus le rock finalement parce qu'on écoute plus de rock d'habitude. Hein. Top la Zikmu bien sûr, merci. Merci Thomas. Coucou Thomas, comment allez-vous les amis? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ah c'est Thomas, pardon, j'ai mal lu ton pseudo Thomas, excuse-moi. Salut Thomas, comment tu vas? En même temps, ça m'arrange que Nissonès, j'étais pas sûr de bien le lire. Bonjour, je viens de venir. Ok, bienvenue à toi. Allez, salut Lowin. Salut Beta Antoine, voilà. Quelqu'un peut m'expliquer? Non, je sais pas. J'ai eu un délire dans la notif. Je dis salut Thomas. Je dis ça va Thomas. Voilà. Ne cherchez pas plus loin. Là, pour le coup, il n'y a pas de lore. J'ai fait de la merde. Enfin, je me suis fait un petit délire, quoi. Voilà. Vacances. Pas de vacances pour l'instant, mais bientôt. Plus de coups de soleil, non, ça a l'air d'aller, regarde. Peut-être un petit bronzage léger. Ah oui, d'ailleurs, j'ai changé mes lumières de couleur pour une raison. Attendez, je vais aller voir si... Ouais, si, ça va les lumières, en fait. Ça. Salut tout le monde, salut Revianka. Pur impro, bien sûr. Bien sûr. Bronzage casquette. Moi, j'avais pas de casquette. C'est plus mes cheveux, peut-être. Salut Second Burst. Attendez, je regarde un petit peu les lumières. Ouais. Comme ça, c'est plus doux. On va se mettre comme ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se faire une petite soirée design, actu et review. Hagrid avait l'air en forme, ouais. Alors, je sais pas s'il a moins mal au dos que d'habitude ou s'il a pris son jus de limace. Merci pour le cheered. Le banana cheered, ce qu'il a fait clignoter, je pense, ouais. Je pense que tout a clignoté. Pressé pour mercredi. Eh ouais, carrément, ça va être trop cool. Alors,
petite transition toute faite sur la programmation, les amis. Je vais vous parler tout de suite de la programmation de la semaine, comme ça ce sera fait. Et après, on va démarrer tranquillement le live. Hein. Bien sûr, n'hésitez pas, comme d'hab, si vous avez des questions, on est là pour ça, pour discuter un petit peu. Alors, chaud pour mercredi, parce que ce soir, on a effectivement un live UI Review et Design, hein, on y est. Et mercredi soir, donc 19h30, je vais prendre l'antenne, comme on dit. Ce sera 20h, je pense, le début du vocal avec Balo. On va se faire une petite édition de logo de mémoire version live. Ce sera un petit mélange des vidéos YouTube que j'ai faites avec Félix et que Balo a fait avec Justin Buisson. Et un petit mélange de l'édition en live qu'on avait fait nous ensemble avec Figma, etc. Et donc j'ai embarqué Balo dans cette aventure, il était chaud. Donc ça se passe mercredi. Pour être tout à fait transparent avec vous, on se brief l'un et l'autre demain soir. Voilà, pour décider un petit peu des règles, des façons de faire, de comment on partage les logos, etc., etc. Mais écoutez, ça ne peut être que cool. Ça ne peut être que cool. Donc je peux déjà vous donner 2-3 petites infos. Salut Mathis. 2-3 petites infos sur ça. J'imagine effectivement Call Me Tab, comme tu le dis, Balo sur Figma. En fait, je pense qu'on va utiliser Figma pour copier-coller les logos. Salut tout le monde, j'ai adoré la musique de l'introduction, c'était you, ça m'a rappelé ma jeunesse, allez salut. Voilà. voilà. Et du coup, ouais, on va utiliser Figma avec Balo, je pense. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais l'idée, ce serait qu'il fasse son logo sur ce qu'il veut, et qu'à la fin, il copie-colle son screenshot sur Figma, juste pour avoir une interface multicurseur sympathique. Donc je pense que c'est une bonne solution. Bon, après ça, s'il veut pas, on pourra faire un envoi Discord, mais ce sera plus pratique pour le partage d'écran. Et donc moi j'imaginais un truc où une fois sur deux le chat de Balo et une fois sur deux le chat de Bastille UI proposerait des logos, et nous on doit simplement les dessiner, alors plutôt les refaire à la plume de mémoire. Voilà, tout simplement. Alors l'outil est libre, hein. S'il y a des gens qui préfèrent utiliser si Balo préfère utiliser Illustrator et moi Figma ou autre, pas de soucis, juste à la fin on le copie-collera dans Figma, je pense, pour le reveal. Voilà un petit peu la soirée logo de mémoire. Et puis maintenant vous connaissez, hein, pour vendredi, c'est Teletra Live. Et on a bien avancé sur Tellington la fois dernière. Il va falloir qu'on rentre dans le détail. Donc je sais pas à quelle heure je lancerai le live. Mais l'idée, ce sera pour moi de récupérer le maximum d'infos, de modifications à faire avec mon client Superflame Studio et de retravailler vendredi dessus. Voilà, tout simplement. Placement à la Pellegrino, bien sûr, toujours Pellegrino, le chèque en attend. C'est toujours la même bouteille que j'utilise depuis un mois. Ouais, je la remplis d'eau du Roby, comme on dit. Delicioso. Donc voilà un petit peu pour la proc de la semaine. C'est dispo sur Twitter ici. C'est dispo. Oh, ça marche pas. Si, ça marche. C'est dispo en mode dans l'appli Twitch, hein, directement, regardez. Voilà. C'est dispo en programme Twitch, donc vous pouvez mettre les petits rappels, tout ça, tout ça. Et c'est également présent sur Twitter sous forme de bannière spéciale pour promouvoir cet événement. Donc c'est ce tweet. Je vous le mets dans le chat. Et je vous invite à le liker, à le partager, bien sûr, pour qu'on soit le maximum de bons designers présents ce soir-là à s'amuser à refaire les logos de mémoire et surtout à voir Balo et moi-même galérer et évidemment se ridiculiser en direct, c'est le but. À quand la gourde perso Bastille? Je sais pas, faudrait que je regarde, mais c'est pas une priorité. Tu penses bosser sur le projet de Superflame jusque quand? Ça devrait se terminer bientôt, là, justement. C'est la dernière séance qui était bloquée vendredi. Après, il faut que je fasse le point tout simplement avec Superflame sur ce qui manquerait. Voilà. Et voilà. J'ai pas Twitter, dommage. Twitter, c'est un très bel outil quand t'es designer ou développeur. Très intéressant. Après, si jamais je bosse plus sur le sujet de Superflame, j'en ai d'autres pour éventuellement le vendredi. Après, sachez que le vendredi, je peux aussi le garder pour créer des vidéos YouTube. Voilà, à la base aussi, c'était aussi pour ça. Donc j'alternerai sûrement le vendredi entre Twitch et YouTube
Alors après, si je fais du YouTube le vendredi, ça veut pas dire que je peux pas lancer un live de 2-3 heures le soir. Ça, c'est pas un souci. Où est-ce qu'on peut trouver ton mail pour un devis? Mon mail, il est dans mon contact YouTube, je pense. Tout simplement. Tu peux trouver ça. Ou alors, j'ai un formulaire de contact un peu plus classique aussi, sous le live aussi. Voilà. On va faire un petit tweet. On va faire un petit tweet quand même. Donc là, on est là, tweeter. Alors, on va tweeter tout en parlant du programme. Boum. Hop. 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 Déjà, Ray Venk et Citron Rapide sont les 8 reviews de ce soir. J'ai vu Ray Venk. Désolé pour ton pseudo, je sais pas trop. Ray Venk, je l'ai vu dans le chat tout à l'heure. Donc reste bien connecté encore pour une petite heure, voilà. Et on a aussi Citron Rapide. Alors si Citron Rapide montre le bout de son nez, on fera son nuit review. Alors Twitter, bon outil pour les designers, comment ça? Bon outil pour la veille en fait, tout simplement. Moi je fais beaucoup de veille, je communique beaucoup dessus et c'est très très agréable. Ah bah voilà, Citron Rapide qui suit la chaîne. Donc voilà, Citron Rapide sera là dans une heure. Alors les 8 reviews sera à peu près dans une heure, salut Citron. Voilà. Le live... et lancé. On va regarder donc petit programme. On va regarder une petite actu de Bastu pour se lancer une illusion d'optique. Après, on va avoir un plugin Figma qui permet de faire des breakpoints. Ensuite, on va faire un petit tuto ensemble pour faire des fenêtres drag and dropables sur Figma. Voilà, on va faire tout ça ensemble. Et ensuite, il y aura les 8 reviews. Les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas quand vous arrivez à dire coucou dans le chat, bien sûr, et n'hésitez pas à poser des questions à tout moment. Si vous souhaitez m'interrompre, on est là pour ça. Sinon, on le ferait pas en direct, bien évidemment. Ok. On va faire un petit tag. Un breakpoint plugin. Tuto draggable Windows. Oui. Ok. Beau programme. Trop bon programme. Merci, c'est gentil. Alors, est-ce qu'on se trouverait pas une petite photo à assujettir à cela? Bien sûr, alors on va chercher. Je n'ai pas prévu de photo. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à conneries? Ça, c'est très bien, ça. Validons cette photo. Elle est incroyablement... Ah merde, il y a un problème de crop, on dirait. Ouais, c'est très bien comme ça. Ouais, c'est très bien. Hop. Impeccable, ça donne envie de cliquer, évidemment. Salut les asticots. Coucou tout le monde, installez-vous les amis, bien sûr. Alors, le avancé, illusion d'optique. Figma Design Breakpoint Plugin, tuto draggable Windows, N8 Review. Et bah c'est parti. Je pense que le lien, je l'ai pas assez mis, donc on va faire quand même ça, faut pas déconner. Et on va mettre vos questions, bien sûr. Hein. Toujours user first. Vos questions, bien sûr. Ouais. Salut Basti, j'ai appris aujourd'hui que tu travailles dans la même boîte que mon CTO. Attendez, comment c'est possible? Ça fait plaisir de voir de plus en plus de streamers dev compétents. Alors, merci pour ton message, Evinimbus. Alors, comment c'est possible que ton CTO travaille dans ma boîte, puisque du coup, si c'est ton CTO, il n'est pas dans la même boîte que moi, ou alors on est dans la même boîte. Ou alors il est CTO de deux boîtes. Ce qui n'est pas impossible, je ne suis pas forcément au courant. C'est toi qui fais tes montages vidéo? Ouais, c'est moi. Et je pense d'ailleurs que... Bah déjà, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, de faire mes montages vidéo, ça c'est sûr. Mais je pense aussi que c'est par là que je fais passer pas mal de mon style, en fait. Voilà. Je pense que c'est grâce au montage vidéo que j'arrive aussi à créer un petit style. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vieille rock. Merci beaucoup pour ton sub. Ton niveau 1, excellent, merci, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, niveau 1, c'est très gentil, merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses les faire en live le vendredi du coup? Quoi? En live? Les montages vidéo? Ah, c'est une bonne question.
Tu parles des montages vidéo, Blixel? Tu fais du bon montage, c'est cool, tu es sur quel logiciel? Premiere Pro. Parce que j'ai appris. Parce que j'ai appris avec Premiere Pro. Après, il n'est pas trop optimisé sur Mac, malheureusement pour moi. Mais je suis trop habitué, j'ai essayé d'installer Final Cut, mais je n'y arrive pas. Le montage vidéo le vendredi, c'est une bonne question, parce que j'ai déjà fait des essais de faire du montage en live, et c'était pas très agréable à regarder, je crois. Enfin, c'est à vous de me dire, mais j'avais vu au niveau des stats que ça n'avait pas trop plu. Après, pourquoi pas de temps en temps, mais si ça permet de faire du contenu, c'est cool. Si c'est chiant, si ça fait nique les stats, ça donne envie aux gens de partir, pas cool. Salut Tiffen. C'est toujours intéressant, Bastille, d'accord. Ah, mais j'ai vu après qu'il y avait moins de monde et moins de messages, et peut-être auditivement, c'est moins sympa aussi, parce que du coup, comme je peux pas mettre de musique de fond et que je vais replay plusieurs fois la même séquence pour l'ajuster, je sais pas. Non, Mordurier, en gros, il travaille chez Atecna. Il a été embauché par ma boîte à mi-temps temporairement pour remplacer l'ancien CTO. Oh là, ok, intéressant. Donc chez Atecna, qui est mon agence actuelle, on vend des prestataires pour devenir CTO. Intéressant. Je suis CTO prestataire. Original, mais c'est cool. Faire des tutos YouTube, qu'en penses-tu? Il n'y a pas tellement de bons tutos. Alors, Waxa sur Twitch, des tutos YouTube de quoi tu veux dire? De montage? Ouais, après, c'est pas ça ma plus-value. Hein. Ouais, c'est pas trop ça ma plus-value. Moi, je suis plus là pour parler de mon travail et ce qui me passionne. Après, le montage, en effet, ça me passionne un petit peu, mais... cuisine, ouais. Je suis pour surtout sur du Figma, bien sûr. On est là pour du design d'interface, quand même. Et c'est là aussi que je vais être le plus à l'aise de faire des tutos sur Adobe Premiere Pro. Ouais. J'ai 2-3 conseils, mais voilà... Je les réserve pour rien du tout en fait, pour les gens qui me posent des questions. Si on se croise dans la vraie vie, je peux donner des conseils, mais je vais pas commencer à faire des vidéos, je crois. Salut homme qui a une foire reposante, Conan. Salut Vieroc. J'espère que je prononce bien ton pseudo. Des petits tutos beauté, ouais. Ouais, le tuto beauté, c'est pas trop mon truc, je crois que j'ai peut-être plus besoin de tuto beauté. Avec ce faciès mal entretenu. Ok les amis. Bon, écoutez, quand... Tuto mécanique. Oula. Non, mécanique. Aïe. Tuto mécanique. Mais en fait, les tutos, je vous avoue, on rigole avec le mot tuto, mais je pense qu'il faut que j'en fasse de moins en moins. Première pro, UI review. Très dur de faire une UI review d'un logiciel. Ton micro est en mode ASMR. Ah bon? Il est comme d'hab, non? Alors, ça a l'air. As-tu essayé? Non, désolé, je ne fais pas de photographie. J'ai déjà essayé, mais je suis très nul. Je préfère la vidéo. Je préfère bien la vidéo. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai un pseudo aussi galère. Appelle-moi Thomas. C'est bien ce que je comptais faire au bout d'un moment, vieille rock. Vieille rock, ça me fait un peu de la peine, parce que j'ai pas envie de te traiter de vieille rock non plus, tu vois, mais... Vieille rock. Ok, alors attendez, ça c'est quoi? J'ai des notifs Twitter... Ok, ça, ok la prog, je ferme. Et les amis, ben, on commencerait pas par des petites actus, notamment des actus qui ont un générique. J'ai un générique pour les actus, je crois. Je termine mon master UX UI soon. Est-ce que je pourrais postuler à des offres product designer Bastille? Oui, bien sûr. Tu peux être product designer senior ou junior, bien sûr. Écoutez les amis. On va commencer ce live par des petites actus. Vous connaissez, c'est les actus de Bastu, bien sûr. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Pour toi, c'est les actus de Bastu. Bien sûr, pour les nouveaux, je rappelle que j'ai eu l'idée de ce générique de A à Z. S'il y a des ressemblances avec un autre générique, posez-vous la question qui a copié l'autre. Bien sûr, voilà. Je ne veux pas de soucis avec personne. Comic Sans, bien vu. Le générique est beau, voilà. C'est moi qui l'ai fait. Coucou Popcorn, je connais pas Popcorn. Je connais pas l'émission Popcorn, c'est quoi? Intro très personnel, lourd les actus de Thomas. Et si j'avais écrit les actus de Thomas, je vous aurais brain à 2000%.
Popcorn m'a copié, j'ai l'impression. Ouais. Après, je connais pas Popcorn et tout. Je connais pas trop et tout. J'ai vu un gars avec un pull avec un Popcorn qui prenait tout son ventre, mais sinon, par ça, je connais pas trop. Kappa. Bon, les amis, première actu pour se chauffer tranquillement. C'est vraiment une actu design, mais je l'ai vu tout à l'heure et je voulais vous le partager. Est-ce que vous connaissez... Salut, Boba Boom. Est-ce que vous connaissez cette illusion d'optique, les amis? T'as demandé à Popcorn pour pouvoir utiliser leur intro. Non, mais c'est une intro que j'ai créée de A à Z et je crois que Popcorn a copié mon intro. Voilà. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oh là là, merci, Afak. Salut, Afak, merci pour le cheered. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez cette illusion d'optique? Alors, ceux qui savent l'astuce, ne le dites pas tout de suite. Et ceux qui ne la connaissent pas, je vous laisse un peu burner des yeux. Jamais vu, c'est ouf. Non, je connais pas, c'est ouf. Alors que les cercles ne bougent pas. Ouais, voilà, on se doute un peu que les cercles ne bougent pas. Alors, on peut essayer. Je pose ma souris à un endroit pour voir. Voilà, j'ai mis mon doigt à cet endroit-là et on voit en fait que bah ça ne bouge jamais en fait. Mon doigt reste toujours sur le bord de... Alors, je vais vous zoomer un peu pour être sûr que vous voyez bien. Si je mets mon doigt sur le bord ici, bah le bord ne bouge pas en fait. Voilà. Ce qui est assez absurde. Alors, à votre avis, quelle est l'astuce? Ceux qui savent pas, dites-moi vos théories. C'est la couleur des bords des cercles qui est modifiée. Et je crois que c'est ça. Hein. Le GHB, les couleurs qui bougent, les borders, c'est avec les couleurs, c'est sûr. Alors, est-ce qu'à votre avis, les flèches ont un impact? Est-ce que les flèches ont un impact à votre avis? C'est un effet de profondeur. Les flèches bougent. Et bien, figure-toi que les flèches, ça ne sert à rien. Je pourrais masquer les flèches avec mon doigt ou avec quelque chose. Ça ne changerait rien, en fait. Et c'est en effet les borders. C'est uniquement dû aux borders extérieurs. Enfin, il y a une bordure intérieure ici. Et une bordure extérieure. Et ça donne l'impression, justement, que c'est déformé. Voilà. Et c'est incroyable. Et les flèches, par contre, c'est du bonus. Si vous masquez la flèche avec votre doigt, essayez. Je vous laisse essayer. Si vous masquez la flèche avec votre doigt, ça ne changera rien du tout. Vraiment. Genre, ce sera vraiment le même résultat. Alors, j'essaie d'ouvrir ça parce que j'avais peut-être... On avait regardé il y a peut-être un mois ou deux... Comment j'ouvre mes notes, là? Je peux pas ouvrir une nouvelle fenêtre? On avait regardé ça il y a un mois ou deux et c'était un truc avec un escalier pareil. Avec aussi l'astuce des trucs autour quoi. Et je sais pas, le tweet n'est plus disponible, dommage. Je l'avais gardé dans mes historiques mais... Mais voilà, c'est pas incroyable un petit peu? C'est l'État qui nous manipule, ouais ça c'est le gouvernement ça. Et du coup, apparemment, ça débat. Effectivement, c'est les contours. J'ai lu un petit peu tout à l'heure. Apparemment, c'est les contours. Ah, voilà, il y avait celle-là aussi. Bon, ça, c'est un peu le même style que celle de l'escalier. En fait, là, pareil. Rien ne bouge, en fait. Désolé pour les couleurs assez épileptiques, mais là, par exemple, rien ne bouge. Les contours passent dans plusieurs couleurs, en fait. Les contours, ils passent en RGB, et donc t'as l'impression que ça avance, tu vois. Et en fait, rien ne bouge. C'est fou, hein. Ouais, faudrait analyser un peu, mais tu vois, la forme, elle reste figée, mais à chaque fois, l'ombre, elle bouge, et t'as l'impression que les couleurs, elles glissent à l'intérieur, quoi. Et du coup, ton œil de loin, il extrapole le truc comme un mouvement, quoi. Ouais, c'est un peu frustrant. Ouais, c'est un peu bizarre. Et voilà, c'est expliqué un peu là, tu vois. Le jaune, le bleu, le jaune, et ça tourne en boucle comme ça dans la forme. Et ça fait un peu un truc bizarre, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Oh non. Dis-moi que ça bouge pas. Ça bouge pas non plus. Exactement le même phénomène ici. Là, ça bouge pas, quoi. Désolé, ça fait un peu mal aux yeux, si vous voulez, faites une pause de temps en temps, même moi ça m'explose le cerveau, mais ça ne bouge pas non plus. Hein. On peut appliquer l'idée à une interface, ce serait horrible.
Bon, j'ai pas laissé trop longtemps afficher non plus pour pas qu'on s'explose la tête, mais là, bah, même principe, hein. Avec le contour noir et blanc. Bon, là, il y a. Je pense que le flash y est pour quelque chose, pour aider nous, essayer de nous déconcentrer un peu, mais. Ouais, c'est incroyable. Et donc, c'est des illusions d'optique animées que je connaissais pas. Enfin, si, on avait déjà vu ça, mais je suis tombé dessus et je voulais vous le repartager, c'est assez marrant. Voilà. C'est ouf de se faire hacker la cervelle comme ça, ouais. Alors, je vous repose deux secondes en remettant la cam. Je vais quitter cet onglet. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un nom. Est-ce que c'est un nom, ces illusions d'optique? Merci beaucoup. AFAC, encore une fois, ça donne mal au crâne. Ouais, je suis d'accord. Si quelqu'un sait le nom de ces illusions, il va nous faire une bonne note. Une bonne note, Incense. Incense. On a déjà parlé du programme juste avant, World of Fang. Je sais pas si vous connaissez le nom de cette illusion d'optique, mais. Parce qu'à chaque fois, je tombe dessus sur Twitter. Mais ça a sûrement un nom officiel, quoi. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais le procédé est assez répétitif. Des migraines. C'est ça, migraine ophtalmique. Ouais, merci. Merci, Faust. J'ai le nom maintenant. C'est-à-dire. Putain de migraine ophtalmique. Y a pas de la rémanence. De la réminiscence. Ouais, rétinienne. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, on va arrêter un petit peu pour pas vous rendre malade. Et je vais vous montrer une autre illusion d'optique incroyable. C'est un plugin Figma. Et regardez ce que fait ce plugin Figma. Apparemment. Alors, full screen, je sais pas si ça va être correct, mais voilà. Apparemment, ce plugin Figma gère les breakpoints. Pour du responsive. Alors, soyez pas non plus trop hypé. Évidemment, il faut X copies de la maquette en fonction des X breakpoints. Voilà. Donc en gros, 1024, 600, moins de 600. Et du coup, j'imagine qu'il doit refaire son design à chaque fois. Donc n'imaginez pas ça en mode ça va être révolutionnaire dans Figma. C'est un plugin, évidemment. Mais dites-vous que si vous avez un cas de figure très précis, où vous avez le courage de faire un symbole pour chaque taille d'écran, pour chaque template, pour que votre objet se redimensionne, vous pouvez aller voir du côté de ce plugin. Voilà, ce petit pluge. C'est quoi un breakpoint? Alors un breakpoint en web, ce sera pour des sites web, c'est le moment où un site va changer de template. Alors je vais essayer de réexpliquer ça en laissant ça de côté. Par exemple, on va prendre un site. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme site? Sarenza. Est-ce qu'il y a un breakpoint sur Sarenza? Je vais sur Sarenza, les chaussures. Du coup, là, si tu redimensionnes ta fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? Regarde. Regarde. Ah! Déjà, là, ça se pousse. Donc là, c'est du fluide. Donc là, il n'y a pas de breakpoint. Et là, c'est un breakpoint. Pourquoi c'est un breakpoint? Parce que l'interface cesse d'être fluide, mais vient se... redimensionné, tu vois. Et donc, on a un nouveau template qui s'est chargé. Un template où le menu est à gauche et où les libellés sont partis et où la barre de recherche est devenue comme ça. Et c'est ça un breakpoint. Alors ça, c'est pas forcément sur tous les sites web. Néanmoins, le classique, c'est d'avoir un breakpoint pour l'ordinateur et un breakpoint pour les téléphones. Voilà. Parce que c'est très dur de faire un site qui va marcher sur un téléphone en petit et sur un grand écran. Donc souvent, on a au moins ce breakpoint là. Des fois, tu as plus de breakpoint pour, par exemple, la tablette ou des fois pour plus de précision, voilà. Donc ça, c'est un breakpoint. Et donc ce plugin, alors caché derrière trois designs à faire au préalable, simule ça dans Figma, voilà. Pub gratos, exactement. Je pop sur le live, modérateur, vous avez vu les bots sur le Discord. Salut Basti, j'étais... Oh là, c'est parti. J'ai perdu un message. Qu'est-ce que vous dites? J'étais pas sur ton live, mais ton Discord se fait raid. C'est-à-dire... Il se passe des trucs chauds sur le Discord. Ok, mais qu'est-ce que je peux y faire du coup? Enfin, je veux dire, c'est un Discord public, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Ils font ça comment les devs? Les devs, en fait, en fonction du CSS, ils regardent la taille de la fenêtre et ils vont déclencher différentes feuilles de style, quoi.
Il y a des centaines de bots qui joinent. Bah écoute, comment faire? Expliquez-moi ce que je peux faire. Ban le mot eagle. C'est un bordel ton Discord. Bah écoutez, je ne sais pas quoi faire moi. Je vais aller regarder si vous voulez. T-eagle. Alors attendez, je regarde. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Faut que j'aille voir dans quoi du coup. C'est dans quel channel? Comment je peux voir les amis, dites-moi. Ah oui, d'accord, dans général. TG, STP, STP. Ah oui, d'accord. Oula. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, tout ça, c'est des bots? Ah ouais, incroyable. D'accord. Ok, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Un bot qui t'ajoute un rôle quand tu cliques sur une réaction par Discord. Quoi? Non, non, mais je vais pas mettre ça en place maintenant, mais c'est quoi le... Qu'est-ce que vous me conseillez de faire là, maintenant, pour ça? Attendez, on met un peu le sujet... C'est pas grave, les amis, juste dites-moi ce que vous me conseillez de faire. Arca va le faire, ok... limiter ton serveur. Yes. Ouais. Alors, comment on pourrait faire? Dites-moi, moi je connais pas. Paramètres du serveur. Attendez. Mets le général en mode lent. Ouais, ok. Alors attendez, je vais faire déjà ça. Général. Après, bon, ils peuvent aller dans un autre serveur, hein, mais bon. Du coup, mode lent, c'est bon. Tu peux ajouter les protections et les paramètres de sécurité. J'ai cliqué. Merci, merci les amis. Du coup, ouais, si les modos, vous avez la main, alors... Déjà, je vais... Lunat, je vais essayer de te mettre... Comment on fait? Paramètres du serveur. Déjà, je vais aller dans paramètres du serveur. Ok, qu'est-ce que je fais dans paramètres du serveur? Non, je vais pas cliquer sur le lien. Ça, c'est bon. Regardez déjà ça, les nouveaux membres seront filtrés. Tu vois déjà, c'est déjà filtré ça, tu vois. Et j'ai déjà un filtre, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dans l'onglet modération des paramètres. C'est où ça? J'ai pas d'onglet modération des paramètres les amis, je suis désolé. Ah si, modération là. Moyen. Je vais mettre... on va mettre élevé. Et du coup, comment on peut... comment on peut, s'il vous plaît, maintenant, supprimer, enfin, vider un petit peu ce qui a été spammé dans général. Je vais sur le bot MI6, là. Hop. Merci pour votre aide, c'est cool. Je vais sur mon bot MI6. Je fais point d'exclamation clear dans le serveur. Je fais que ça. Moi-même, j'écris clear dans le général. Clear avec... Ouais, mais pas de soucis. Mais les amis, c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. On va s'en sortir. Alors, clear. Il me demande de mettre une valeur après. Donc, soit je mets wall member user mention. Je fais quoi du coup? Slash clear ou point d'exclamation clear? Clean ou clear? Et avec un point d'exclamation ou un slash? The command clean is disabled on this server.
Anabali is a control panel in moderation page. Ok. Comment je fais ça, moi? L'accent anglais, yes. Dis-leur que c'est pas gentil. Alors, l'action clear, elle est... j'ai ça comme message. Je vous montre. Hop. Non, clean, ça marche pas. Clean. Sans. Unable. Non, c'est unable, clean. Donc, je vais sur MI6 pour paramétrer ça. Sur mon Mi 6. Donc, je vais dans mon interface Mi 6. Désolé, hein, on va gérer ça. Hein. Ouais, mais même avec une valeur, ça marche pas. Alors, je suis dans mon tableau de bord. Mi 6. Me 6. Du coup, je vais dans... Je vais dans quoi? Je vais dans quoi? Je sais pas, moi. Je sais pas dans quoi aller. Du coup, je sais pas quoi faire, les amis. Voilà, modération. Ok, j'ai activé le plugin. C'est bon, j'ai trouvé. Du coup... J'ai ajouté le modérateur. Invalide commande. Il me fait chier, lui. Du coup, je sais pas quoi faire, les amis. Clean sans, ça ne marche pas. Tu peux me le redire encore plus tard, mais ça marche pas, clean sans. Ah, c'est clear en fait, c'est pas clean. Ça marche pas. Bah, ce que je comprends pas, c'est que ça continue à spam. Est-ce que Lunat, je peux te mettre... Ce que je vais faire, c'est... Lunat, est-ce que je peux te mettre un rôle genre éditeur sur Discord? Comme ça, tu peux le faire après. Parce que je comprends pas, tu vois, là, je suis en mode... Je suis en mode lent. Je suis en mode lent et ça a l'air de continuer. Ah si, ça marche en fait. Ah, ça marche, mais c'est parce que ça décale les messages. Ah. Ah ouais, mais tellement il y en a en fait, ça décale les anciens. Je suis en train de le faire, les amis. Désolé pour le live. Putain, j'en ai clear 10 000 là et c'est toujours, c'est toujours là. Je fais des clears 10 000 et c'est toujours là. Tellement il y en a. C'est pas possible. Je fais des clears 10 000 et... Il y a toujours les messages. Incroyable. Ils en ont envoyé combien? C'est 100 max. Ah bah, je suis pas rendu alors. Il en reste là? Ben non, mais si, c'est pas possible. Quelque chose se passe mal du côté de du bot, il crie. Code d'erreur. Wow, c'est de la merde. Du coup, vas-y, je vais juste regarder un dernier truc avant de laisser tomber. Ah si, le bot il se réveille, mais un peu en retard.
Ah ouais, il le fait, mais il y a des secondes de... Il y a des secondes de retard. Je fais juste une dernière chose, les amis, et après, je vous laisse. Je vais juste mettre Lunat en... Comment on peut faire pour que le salon lui appartienne? Je fais juste ça, désolé, les amis. Hein. Comme ça, c'est géré. C'est dans rôle, je pense, du coup. J'imagine. Bam, bim, boum. Ça doit être dans rôle, hein. Rôle, ok. Et je vais chercher... Lunat. Non, je mets pas Lunat en victime, mais c'est... Je pense qu'il est surtout plus doué que moi. Clique droit sur Lunat. Je veux le mettre en genre le plus fort, tu vois. Comment on fait ? Lunat. Désolé, je vous montre pas mon écran. Hop. Clic droit sur Lunat. Rôle fondateur. Voilà. Donc Lunat, t'es un fondateur. Moi je fais Discord quit. Je veux pas vous mentir, j'ai quitté. Voilà, donc je pense que je vais surtout comment dirais-je, reparamétrer plus d'automodération. Alors comme je le dis depuis le début, le Discord, moi je m'en occupe pas vraiment. Je m'en occupe pas vraiment, même depuis le début je l'ai créé. C'est plus un espace pour échanger. Évidemment, comme ça prend de l'ampleur. Bah on va... je veux pas de Discord, ouais, ça. Je sais, j'y connais rien en fait, c'est pas plus que je veux pas, c'est que j'y connais rien. Donc je suis preneur de beaucoup de vos conseils en tout cas. Voilà, il y a plus de gens best. Mais c'est pas grave les amis, check TMP, pourquoi? Je regarderai pas mes MP maintenant, t'inquiète pas. Je laisse Lunat regarder si jamais lui, il s'y connaît un peu mieux, il connaît une solution automatique. Et puis après, on en reparlera juste après. Voilà. Ton MacBook, tu le laisses à charger tout le temps? T'as pas peur que ça affecte la santé de ta batterie? Alors, ce qui se passe avec mon MacBook, c'est qu'il est alimenté par mon écran. Donc oui, il est chargé tout le temps. Et non, j'ai pas peur que ça affecte ma batterie. Je me dis que c'est fait pour ça. Après, j'ai peut-être tort. Voilà. En deux settings de Mi 6, voilà. Ça arrivera plus. Oui, t'inquiète, Sushi. T'as bien raison. C'est juste que tant que tu sais pas, bah tu le fais pas, quoi. Pourtant, mon salon, on doit cocher des règles et tout pour arriver, mais bon. Je suis pas un pro du Discord, hein, je vous l'avoue. Voilà. L'iPad Pro en tant que UX designer, c'est un bon investissement. Pas nécessairement, en vrai. Non, pas nécessairement. C'est un confort, mais tu peux très bien t'en sortir sans. Franchement, tu peux très bien t'en sortir sans. Après, c'est un confort et c'est un bon délire pour dessiner et tout, mais voilà. Tu as fait quoi comme étude? Pour les réponses à toutes ces questions, William, tu tapes sur YouTube, t'as Bastiwi étudiant. Et j'ai fait une interview avec des étudiants et je réponds pendant des heures à ce genre de questions. D'état informatique et gobelin, mais tu ferais mieux d'aller écouter la version longue parce que c'est plus compliqué que ça. Il te sert à quoi l'iPad à toi par exemple? Bah, il me sert quand je suis en voyage à faire un second écran. C'est aussi beaucoup pour ça que j'avais envie d'en avoir un. Et il me sert principalement à... Bon les amis, tous les petits cons là qui ont fait les cons dans le Discord, si je les crois, je leur fous mon balai dans le cul. Désolé Hagrid, l'a beaucoup moins bien pris que moi apparemment. Désolé pour ça. Bah, en même temps, il a raison. En même temps, il a pas tort. Voilà, deuxième écran, confort, regarder des vidéos en vacances, regarder des vidéos quand je suis posé et tout, j'aime bien faire ça sur un iPad. Et sinon Procreate, surtout pour... sur Procreate. Ton lien d'invite amène sur Général, ok. Bah ça doit être un vieux lien d'invite Lunat du coup. On va aller éditer ça. On va aller éditer ça, ok. Discord, Bit.ly, alors si je peux le modifier tout de suite, je veux bien le faire. Est-ce que tu sais développer vite fait? Vite fait. Tu me diras Lunat par MP
ce que je dois mettre comme, comme lien dans mon bit.ly, quoi. Ok, on fera le débrief après. Alors les amis, un breakpoint, c'est ça. On a compris. Il y avait quoi comme autre site qui m'avait été proposé? Airbnb. Ah, pas ça. Airbnbs. Airbnb. Voilà. C'est du mobile. Tablette. Desktop. Voilà, c'est ça des breakpoints. Et du coup, il y a un plugin qui fait ça. Et je ne l'ai jamais testé. Et après toutes ces péripéties, testons-le, pourquoi pas. Mais celui-ci, Basti. Ok, merci Lunat. Alors, je vais juste faire ça, comme Lunat, il a pris le temps de récupérer le lien. Je regarde juste où il pointe déjà. Le pointeur. Ok, et bougez pas, on installe Breakpoint dans quelques instants. Je suis désolé pour toute cette petite péripétie. C'est la rançon du succès, bien sûr. On s'est fait raid par un Kevin du 63. Alors attendez, je vais sur bit.ly. J'espère que vous m'en voulez pas trop. On va juste régler tous les problèmes. Malheureusement, j'aimerais bien le faire hors live, mais comme vous vous en doutez, bah, ça a pourri les discussions de pas mal de gens sur Discord, donc il faut qu'on s'en occupe tout de suite. Et quand je dis on, c'est vraiment pas moi, c'est plus vous et Lunat qui gérez ça, et merci beaucoup. Alors je me connecte vite fait à bit.ly. Ça sert à quoi bit.ly? C'est un raccourcisseur d'URL, tout simplement. Donc là, mon lien Discord qui était un peu moche, eh ben, il va être remplacé par bit.ly/discordbastivi. Et je modifie. Et je mets... bah merde. Je peux plus modifier. Ah, je peux pas le modifier. Je peux pas modifier un bit.ly. Ah, il faut payer. Du coup, je vais devoir en faire un nouveau. Pourquoi je peux pas modifier? C'est très bizarre. Ah, on peut pas modifier un bit.ly. Ah ouais. Il va falloir que j'en refasse, hein, du coup. Ah, on peut pas modifier, là, faut payer, c'est ça, ok. Alors du coup, j'en referai un. Et ben, j'en refais un. Tac. Et bah ben, c'est parti. Et ce sera Basti8 Discord cette fois-ci. Hop. Ok. Mais attendez. Si je supprime mon bit.ly et que je le recrée, je peux pas... Je pourrais ne pas avoir à recréer en fait. Je vais le supprimer. Je suis filou moi. Comment on supprime? On peut pas supprimer non plus, c'est ça que tu vas me dire? On peut pas. On peut pas supprimer non plus. Ok. Crée-toi un nouveau compte. Bah non mais... Non, il y a pas d'argent sur bit.ly. Donc on peut pas supprimer un... On peut pas supprimer un bit.ly. On peut juste le hide. C'est bizarre. Je réessaye, hein, mais... Ok, bah c'est un peu la baise. Il va falloir que je change mon lien partout, ça va être tellement chiant. Un échec total, ouais. Oui, c'est un raccourci de lien, voilà. Donc, on va tester, tant pis, Breakpoints. Donc, on va l'installer à notre Figma. Ok, bah c'est parti. Ouvrons le fig. Ah mais t'imagines pas Sébastien, à tous les endroits où je vais devoir le modifier, c'est huge, il a des millions d'endroits ce lien, ça fait chier. C'est pas grave. Hein. Coucou Thomas. Alors... Le plugin, il s'appelle comment? Breakpoint. Alors, plugin Breakpoint.
Ok. Alors, join the beta. C'est parti. Allez, une petite vidéo d'explication. On va regarder ça. Hi everyone, I have great news for all of us. Breakpoints are final in Figma as a resizable native frame that works even without the OpenIt plugin window. And I'm going to show you how to get started with the beta version of the Breakpoints plugin. First of all, I have already designed mockups for different ranges. C'est quoi son accent? First of all? And have appropriate layout constraints. Let's start. I am opening the Breakpoints plugin from the menu, and I'm creating a new adaptive layout. A frame has been added to the center of my stage. Now I am adding my first horizontal breakpoint. Let's say it should be 600, and I am adding the next one with value 124. Now I have three ranges, less than 600, between 600 and 1023, and the last one that is more than 1024. First of all, I need to select frame layout that will be used for it, and I am adding them one by one. First, less than 600, second between 600 and 1023, and the third more than 1024. Okay. And now, when I'm changing the width of the frame, the layout switch automatically, even the plugin window is closed. I can also use quick point buttons to switch between different breakpoints. C'est pas mal, with the breakpoint plugin, I even have the ability to add horizontal and vertical breakpoints together. In this case, the ranges looks like a matrix. Each vertical range multiplied all horizontal ranges. And I will have to split. Ok, c'est parti mon kiki. Alors, on va faire ça vite fait. Merci Bassim m'a fait découvrir les breakpoints, ça fout le seum de ne pas avoir connu ça avant. Ah oui. Après, quand tu fais du web et que tu fais un projet avec un développeur, t'es quasiment obligé d'en avoir rencontré un moment, non? Alors, déjà, est-ce qu'il faut... Je sais pas s'il faut faire des composants, là. Lui, il a fait des composants, mais... On va faire un truc différent. On va faire juste mobile et desk. On va faire que deux. On va faire que deux pour voir faire plus rapidement. Hop. Et du coup, on va faire un petit design rapide. Regardez ça. Hop. Tac, 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 tac. Tac. Tac, tac. Tac. On va faire un truc mignon quand même. On aime bien les trucs mignons. Ok, donc il faut déjà qu'on rende ça fluide. Bon courage Sam Beatles, prends soin de toi. Quasiment obligé des breakpoints, bah oui. Alors là du coup on va le rendre responsive, donc ça, ça, ça on va le ferrer à gauche, ça on va le ferrer en haut à droite, tac. Ça on va le ferrer à gauche et à droite, donc left and right. Et ça, laissez-moi réfléchir, ça va être du left and right aussi, on va vérifier, je suis pas sûr. Ok, donc c'est du scale en fait. Comment il a fait son truc? Ah merci beaucoup Sidouane pour ton prime, ça me remonte le moral avec ces petites histoires de Discord qu'il va falloir gérer. Voilà. Alors je pense qu'il faut faire du scale et faire une frame ici qui est left and right pour avoir les deux comportements. Voilà, je m'en sors bien. Ok. Et ensuite on va faire le desk. Alors éventuellement le desk c'est quoi? C'est la barre de recherche, elle est venue là. Voilà. Ça c'est devenu une grille de 3. Merde, c'est sorti de la frame, désolé. 24. Voilà, ça ce sera notre Ah oui, mais je suis bête. Hop là. Et ça sera notre desk. Ok,
descends vers le mode tuto, cette fois-ci en center, ce sera un comportement différent justement. Et là, ah, ça n'a plus de place. Et là, ça va passer à l'autre. Nice. Et là, quand il n'y aura plus de place aussi, ça va... Ah là, on va pas le mettre en scale, bien sûr, c'est ça la différence, c'est que là, c'est en center. Et c'est pour ça que le breakpoint va être utile là, quand ça va péter. Ok, bon, on va tester. Alors, juste pour le côté visuel, ici, voilà, et ici, voilà. Alors, je vais essayer de, sans faire de composants, parce que je sais pas pourquoi il a fait des composants. Basti, si jamais je te conseille Tiny, tu pourras créer un compte, éditer tes liens. Ok, ça marche. Bah, en fait, le problème, c'est que pour maintenant, c'est trop tard, parce que mes liens, ils sont partout, c'est un peu trop tard, on va dire. Donc, dans tous les cas, il faudra que je fasse l'effort. Mais merci pour le pour l'astuce Tiny, je regarderai. T'en fais pas pour le Discord, ça va être réglé rapidement sur du reste. Souvent... Ok. Oui, oui, après, c'est plus le fait de devoir changer le lien. J'aurais peut-être pas dû désactiver l'autre, en fait. C'est ça qui me fout le seum. Quand j'ai désactivé l'autre... J'aurais peut-être dû le laisser du coup, mais je peux plus le retrouver, c'est ça? Le truc que j'ai hidé là. J'aurais pas dû le hider, du coup il aurait pu encore être utile, mais bon. De façon temporaire quoi. Parce que là j'ai niqué l'ancien lien, ça me fait chier. Dans la précipitation. Ouais. Pourquoi changer le lien? Bah trop tard. De toute façon je l'ai supprimé. C'est pour ça que j'ai un peu le seum. Ouais, ça l'autre est désactivé, c'est ça le truc. Bon, faudra que je le change de toute façon. Alors, est-ce que vous y croyez sans... Hop. Alors, 3... j'ai mis quoi moi? 600. Donc, on met juste ça. Et là, on va mettre 1200. Voilà. Et là, on va faire tac, tac, tac. Ah, ça crée des composants, ok, bon, bref. Et regardez. Yes, c'est trop... Ah ouais, je sais pas encore à quoi ça pourrait me servir. Parce qu'il faut quand même que ce soit des composants, donc que ce soit des templates assez... assez figés, quoi. Et là, on voit qu'on a un breakpoint à 920 qu'il faudrait créer, quoi. Qu'on pourrait le faire. Il nous manque le 920. Un genre de truc intermédiaire, ici. Tablette. Tac. Et on va le mettre à... C'était 920, que ça commence à faire chier. Là, ça commence à faire chier, là. On a un truc qui va plus trop. À 920. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire à 920... ça repasse sur... ça repasse sur 2, quoi. Bon, bien sûr, il faudrait faire matcher les bonnes tuiles, hein, pour pas que ça fasse un effet non plus. Voilà, par exemple. Et du coup, ça, je vais dans mon machin breakpoint. J'ajoute 920. Là, je mets ça. Là, je mets ça. Testons. Ouais, c'est cool. Par contre, là, il y a un souci de responsive. C'est left and right. Et voilà. Oh là là, c'est cool. Regardez. Je m'approche un peu. Desk. Tablette. Mobile. Bon, c'est assez rigolo parce que ça marche bien avec les wireframes. Après, il faut voir sur un vrai design si ça peut vraiment aider. Je sais pas trop. Mais c'est assez cool. Point d'exclamation playlist. C'est trop sympa, ça tue, voilà. Tu aurais des idées pour s'exercer en UX UI sur Figma? Genre des fichiers avec des consignes? Non, pas trop, mais t'as des challenges, t'as... comment ça s'appelle? Daily UI. Sinon, t'as KakatoOS Design aussi qui est pas mal. Il est bien fait, mais niveau utilité, c'est quand même un peu limité. Faudrait demander au gars... Ah, merde, ça va trop vite. Mon message est parti. Faudrait demander au gars quoi? Ce qu'il y avait en tête quand il la dev. Ouais, après c'est des bonnes idées, mais voilà. Pour du e-commerce, c'est cool, ouais. Par contre, faut que ce soit des clés, faut que ce soit tout en composant. Donc faut que ton template soit déjà bien figé, quoi. C'est plus proche de l'adaptatif que du responsive. Bah, du des breakpoints, c'est pas...
Justement, les breakpoints, c'est des cassures, quoi. J'ai du mal à voir l'utilité. Bah, si t'as un template bien fait, quoi, on pourrait tester, hein. Si par exemple, là, regardez, on vient mettre ici une image. Alors, faudrait que j'ai bien nommé mes rectangles. Donc, ça peut être moi qui fais de la merde, mais je vais chercher une image, par exemple, ici. Donc, imaginez, j'ai fait un beau composant qui accueille bien des textes et des images, hein. Mais regardez maintenant. Ça marche pas. Attendez, je réessaye une deuxième chose. Je l'appelle Basti. Complètement. C'est bizarre par contre, si ça prend pas les overrides, c'est bizarre. Dernière tentative. Ah, attendez, j'ai peut-être... Ah mais merde. Ouais, mais c'est parce qu'il m'a tout renommé différemment là. Attendez, je retire les groupes qui sont à l'intérieur qui servent à rien, même si ça fait de la merde là. Juste pour voir. Ah ouais, du coup, il y a tout qui est superposé. Ah, j'ai trouvé l'envers du décor. Si t'enlèves les fonds blancs. Ah, du coup, c'est pas les mêmes rectangles. Il vient pas changer l'override, en fait. Ils sont tous les trois superposés, donc c'est normal que l'override ne marche pas. Donc, en effet, pas top, mais c'est une bonne idée, peut-être, pour inspirer d'autres outils plus tard, quoi. C'est pas des instances, mais des composants à chaque fois. Ouais. Quels sont les plugins que tu utilises le plus? Pas trop, je n'utilise pas trop. J'utilise un peu Morph des fois, mais j'utilise pas de plugins. Hein. Comme vous voyez travailler le vendredi, si je regarde mes plugins là, j'en ai plein d'installés. Hein. J'en ai plein installés parce qu'on en teste souvent, quoi. J'en utilise aucun, quoi. Non, j'utilise pas de plugin. J'avoue que moi j'aime bien bosser dans un écosystème natif, quoi. Mais bon, voilà. Ouais. Bon, les amis, je vais faire une petite pause pour me remettre en jambe après ce bug Discord. On va regarder, après la pause, on va regarder un autre tuto. D'ailleurs, c'est marrant, c'est comment faire une fenêtre drag and drop app sous Figma. On va faire ça rapidement. Désolé pour les 2-8 reviews, on a pris un peu de retard, mais on va les faire quand même si vous êtes toujours là. Donc là, on va faire pendant la prochaine demi-heure les draggable window. On va faire un petit tuto ensemble, vous allez voir, c'est marrant. Et ensuite, on va faire 8 reviews de Ravenc et de Citron Rapide. Désolé pour le retard, plus d'une demi-heure de retard sur l'heure que j'avais annoncé pour les 8 reviews. On a eu un petit souci avec le Discord. Bah écoutez, on va se mettre une petite musique et moi, je vais faire une petite pause. Hop, et j'espère que le Discord va se réparer tranquillement. À tout de suite, les amis. Bonne pause à tous. Je reviens tout de suite. Bisous, bisous. À jour mes 2-3 liens de Discord, de Twitch. Il faudra que je le fasse sur YouTube demain. You le Lunat Paul ! Lunat Paul !
Parce qu'avant tout, c'est un lieu bah, pour vous. Du coup, il a un peu explosé. Est-ce qu'on a des nouvelles du Discord, les amis? Ce qui s'est réparé, c'est... Enfin, réparé, c'est un grand mot, mais... Est-ce que c'est bon? Alors, pour info, j'ai reçu 100 demandes d'amis. En perso, hein. Je me suis aussi fait flouter par les mêmes personnes en demande d'amis, mais ça, oui, je m'en fous. T'as pas été désolé, c'est pas de ta faute. Non, y'a pas de soucis. Merci aux gens qui ont envoyé des MP pour m'aider aussi, je regarderai plus tard. Faut pas se laisser influencer, c'est comme le terrorisme. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave, mais faut quand même s'en occuper, quoi. T'as fait lui review? Non, ça arrive après. On a pris beaucoup de retard, quasiment 3 quarts d'heure de retard avec ça. Et on a la liste des comptes fake. Ok, oh là là, il y a une vraie coalition, c'est bien. Bon, bah merci les modos, hein, encore une fois, vous êtes les meilleurs. Et puis même les pas modos, vous êtes trop cool de filer le coup de main, quoi. Bon. On va faire vite fait le tuto de Figma Draggable Windows, d'accord? On va au tribunal, ok. Je dois signer un truc ou pas? On va faire vite fait le tuto, les amis. Discord, quittez. On va faire le tuto Draggable Windows parce que je voulais vous partager... Ah, merci Melty. Ah, merci, ça me fait du bien ce passage d'attrain. Merci Melty, 4e mois d'abonnement, merci beaucoup. Bonsoir à tous, salut Flight. Et Android qui l'a emporté. Bon les gars, si je revois quelqu'un casser les burnes sur le Discord, je lui fous mon pied du 75 au cul. En même temps, vous avez abusé. Salut Flight. Hagrid, il était hyper de bonne humeur pour une fois. Il va être Firax pendant toute la semaine. Et Hagrid, il va me faire ban de Twitch avec ses conneries en plus. Alors, petit quiz, les amis. J'abaisse la musique. J'abaisse la musique. Très intéressant comme formulation. Je crois au Canada. À votre avis, comment faire cet effet sur Figma? Sondage. Regardez l'effet. Voilà. Alors, à votre avis, comment on fait ça? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait faire ça sur Figma? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée? Clic droit, set draggable. Non, malheureusement. Avec un plugin, sans plugin. J'ai passé une heure à essayer de le faire sur Figma aujourd'hui. Est-ce que t'as réussi? Désolé pour la qualité de Twitter. C'est un overlay qu'on drague. Non. Presque, non, presque. C'est un genre de recadrage dynamique. Non. Drague sur les extrémités. Non, il n'y a pas d'effet de drague. Je le code. Très bonne solution, Oko. Pas bête. Salut Sully, installe-toi. Un composant au-dessus de la maquette. Ouais. Mais comment on le drag and drop? Ça déplace le background. Non, pas exactement. Non, personne ne l'a. Je laisse encore quelques instants. Je vais vous donner un indice. Est-ce que vous vous souvenez mon astuce pour faire une carte? Il y a un truc avec l'overlay. Bah oui, un petit peu. La qualité est pas ouf. C'est vrai. Mais là, on est sur Twitter. C'est malheureux. Alors, vous ne savez pas. Et si je vous dis que c'est à peu près la même astuce que mon astuce pour faire une carte? Le point était fixe, on bougeait la carte. Ouais. Bon. Écoutez, je vais le faire. Si vous n'avez pas trouvé, on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Déjà, pour commencer,
on va créer cette espèce de fenêtre. On va la faire vite fait pour pas perdre trop de temps. On va créer cette espèce de fenêtre. Je vais en créer une rapidement. Title. Voilà. 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 Description. Voilà. Voilà. Alors, personne n'a trouvé, c'est incroyable. Alors, description. Voilà. On va la mettre en auto-layout, why not? Ça peut toujours faire plaisir. Voilà la description. Alors, excusez-moi, on va copier un texte de quelque part. Voilà, je prends un petit texte. Très bien. Personne trouve ? Tu fais des espacements en puissance de 2. Non, multiple de 2, c'est déjà pas mal. Mais oui, tout à fait. Personne n'a trouvé comment faire cette draggable Windows. Incroyable. Donc, add to cart. Tac. 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 Je fais un petit bouton rapidos. Deux frames différentes. Ouais, mais comment on fait pour que ce soit drag and drop ? Il y a un wild drag. Non, il n'y a aucun wild drag. Ah, il n'y a aucun wild drag. Qu'est-ce que ça peut être alors ? Qu'est-ce que ça peut être s'il n'y a pas de wild drag ? Je fais un petit CTA. Je le mets là. Je design pendant que vous cherchez. After Effects, non. Du tout, non, 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 non. On va mettre un Seymour ici. Je veux un truc basique, hein, désolé. Ok, je peux pas sélectionner la couleur, apparemment. Ok, si c'est bon. Tu es un sorcier. Ah, vous savez pas, c'est marrant. Enfin, vous trouvez pas. Donc ça, on va faire un composant. Bon, déjà, pour s'amuser, le mec, il avait fait un state. On peut le faire aussi. On peut s'amuser à le faire aussi. Ça, y a pas de souci. Première chose. Si ça l'amuse de faire ça, ça c'est du bonus, ça n'a rien à voir avec le tuto. Smart Animate. Bien sûr, ça ne marche que si vous avez Figma. Oula, bêta. Merci beaucoup. Click. Merci, Click. Quatrième mois de niveau 1. Je viens penser mes plaies. Ma boîte a déposé le bilan aujourd'hui sans prévenir. Oh, no way. C'est une boîte de quoi? Et du coup, est-ce que t'as des dédommagements? Comment ça se passe? C'est incroyable, ça. Merde. Il va falloir que tu retrouves un taf et tout, quoi. Ça, c'est pas cool. Incroyable histoire, ça. J'espère que ça va aller. J'espère que t'as un parachute doré aussi. Merde. Je suis trop con. Bon. J'ai ça dans ça. À votre avis, comment on fait pour que la fenêtre soit drag and dropable? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut faire pour que cette fenêtre soit drag and dropable? Ah, merci beaucoup Hardisk. On accueille 127 personnes. Bienvenue à tous les Hardiskos. Encore merci Hardisk pour le raid. Désolé, je suis un peu groggy parce que je viens de me faire pourrir mon Discord par un raid de Kikoulovl qui m'a foiré mon Discord, qui me l'a trashé après mes modérateurs sont sur le coup.
Du coup, j'ai dû changer tous mes liens et tout, ça fait un peu chier, mais bienvenue aux Hard Disk Potes. Dites-moi ce que vous faisiez de beau, les Hard Disk Potes. Dites-moi ce que vous faisiez de beau sur le live de Hard Disk. GG les modos, ouais. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis fait pourrir mon Discord. On parlait voiture. Ah ouais. Quoi, il y a des nouvelles Tesla? Henri a encore acheté une Tesla? Sa troisième Tesla? On parlait fort de Tesla. Ah ouais. Ah, c'est vraiment ça, quoi. J'ai beaucoup trop de fric bassiste. Oui, je sais. C'est chiant après parce que plus tu gagnes, plus on t'en prend, donc t'as envie de le dépenser, quoi. Oh là là. Les moins de 10. Sans parler des moins de disques, Henri. Les moins de disques. Non, merde, les moins de 10. Les moins de disques. Figma n'a pas accepté ta demande de bêta. Bah écoute, j'ai des gens qui m'ont dit qu'il n'y avait plus de demande maintenant. Je pars à Dubaï. Bah écoute, bonne route. J'espère que ton jet privé a été nettoyé par les moins de 10. Attendez, on va juste faire ça. Alors, vous parliez de voitures incroyables. Désolé, mais moi je déteste les voitures. Enfin, je déteste. Je ne m'y intéresse pas du tout, quoi. Ça me dépassionne totalement, les voitures. Voilà, vous pouvez me haïr, mais c'est pas du tout un truc que je kiffe. C'est quoi le logiciel? Alors là, on est sur Figma, les amis. J'ai fait un petit quiz aux viewers. Alors, Figma, c'est un logiciel de maquettage, de prototypage de maquettes. Donc, c'est pour... Ce sera jamais du vrai... comment dirais-je? Ce sera jamais du vrai comportement, mais c'est pour prototyper. Et en plus, on a des utilisateurs Android, voilà. Donc, Henri passe le permis en ce moment, il regarde un peu les voitures. Ah oui. Non, c'est pas terrible une Tesla, je pense. Le rapport qualité-prix doit pas être ouf. Du coup, on est sur Figma. Et là, je m'attaquais à un cas particulier, qui est le suivant. Comment faire pour faire une fenêtre qui est drag-and-dropable, sachant que c'est un petit hack et que les viewers n'ont toujours pas deviné comment j'allais faire. Donc là, je commence à le faire doucement. Et bientôt le reveal, les amis. Bientôt le reveal. Alors, je vais faire un petit truc un peu plus visuel. On va s'amuser. C'est moche. Je veux juste un truc pour qu'il y ait une animation en plus. Ça. Frame 3. Je fais juste pour que ça ressemble. Oula. Excellent. Voilà. Voilà, ce sera rigolo comme ça va tournoyer. Alors. Hop les. Ah. Ça ne tournoie pas. Ah, frame 3. Et là, j'ai pas de lien. Si c'est bon. Voilà. Voilà, ça tournoie. Alors, à votre avis, comment je pourrais rendre cette fenêtre drag and dropable? C'est un hack, c'est une astuce. Alors, ah oui, les amis aussi de chez Hard Disk, mercredi soir, je fais un live avec Balo, où on va dessiner des logos de mémoire à 19h30 sur cette chaîne. On va bien se marrer, donc si vous voulez voir ce petit jeu qu'on a déjà fait sur ma chaîne YouTube, c'est plutôt sympa. Tu fais quoi comme étude pour apprendre tout ça? Bah, je me suis un peu auto-formé. Salut tout le monde. Salut les gens, les Hard Disk potes. Moi, c'est Agri, donc je vis dans cette cabane. Et je vais rentrer me coucher, hein. Faites pas chier. Incroyable. Est-ce qu'il s'agit d'un simple scroll au background transparent? Bravo Anthony. Bravo Anthony, c'est ça, c'est incroyablement ça. L'astuce, c'est ça. Et vous allez voir, c'est hyper convaincant. Regardez, vous faites une frame. Vous la mettez, tac, 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 tac. Ça, ça va être votre scroll area. Ok. Et à l'intérieur de la scroll area, il faut une autre zone qui soit plus grande de 200% à la zone en question. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si on met sa scroll area en scrolling horizontal et vertical, je peux faire une fenêtre drag and dropable. Bravo! Bravo, bravo! Et en vrai, c'est trop bien! Regardez ça! Hop, je la mets là. Hop là. Hop là.
Et les gars, c'est incroyable ou pas? C'est trop bien. Est-ce qu'il existe un script qui transforme un projet XD en AppNoCode? Ouais, j'ai une vidéo qui sort sur le sujet vendredi. L'arrière est toujours utilisable. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'arrière? Qu'est-ce que tu veux qu'on mette à l'arrière? On peut mettre ce que tu veux. On peut mettre ce que tu veux en fait à l'arrière. Tu vois? Elle est pas incroyable cette astuce? Drag and drop. On pourrait même rajouter un petit effet là. Regardez, je prends ça. Je rajoute un effet. Je croustille. Je mets une petite drop shadow, regardez. Boumi bam boum bim. Boumi bam boum boum. Et ça en fait, hop. While overing. Hop, regardez, hop. Ça marche pas. Voilà, il y a une petite ombre qui apparaît. Et je m'en vais, l'ombre disparaît. Alors, c'est sur lequel qu'il y a le scroll. Alors, sur lequel le scroll? C'est très simple, regarde. Je vais te mettre des couleurs. La scroll area, elle fait la taille du plan de travail. Et la frame ici, elle doit déborder justement pour permettre le drag and drop. Voilà, tout bêtement. C'est incroyable ou pas? C'est tout bête. Avec un petit peu de réflexion, un petit peu de recherche, on peut faire des trucs très rigolos avec Figma, quoi. Voilà, je mets un petit rollover pour donner envie de drag and dropper encore plus. Voilà. Très belle astuce, et oui, c'est pour ça que je voulais la partager, les amis. Voilà. Mais oui, c'est hyper stylé. Jean Ben Guigui sur 20, quoi? Mais quoi? Y a-t-il un hack pour créer des stats avec des variantes sur la bêta? Bah, c'est pas un hack, c'est la vérité en fait. Enfin, c'est pas un hack, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Bon, les amis, on a fini cette astuce. Peux-tu drag and drop en dehors de la frame? Bah, j'ai fait en sorte que non. En fait, c'est pour ça que tu dois choisir correctement la taille de ta scroll. Si je fais un truc beaucoup trop grand, évidemment, je vais pouvoir sortir. Tu vois? Donc, il faut pas faire plus que la taille en elle-même de la frame. Enfin, de la x2, quoi, de la frame. Donc, ça va maxilla, maxilla et maxilla. Et voilà, les amis. Sans la bêta, non, tu peux pas. Et voilà les amis, les dossiers sur Figma seraient cool. C'est quoi les dossiers sur Figma, NinoCode? Parce que les dossiers sur Figma, ça existe déjà, regarde. Petits dossiers, les petits dossiers et tout ici. Vous avez vu la nouvelle feature super discrète qui fait qu'on peut enfin ouvrir plusieurs protos du même fichier en même temps? Non. Fais voir. Fais voir InScience. Oula, c'est pas ça que je veux. Pour ranger ces projets, mais ça existe déjà. Regarde, j'ai fait des dossiers là. T'aimes pas mes dossiers là? Regarde, j'ai fait des dossiers là. Petit dossier, 1, 2, 3 dossiers. Dossier 1, dossier 2, dossier 3, 1, 2, 3 dossiers. Plutôt que créer une team. Ah bah oui, bah oui. Mais bon, après, faut payer quoi. Avant, il fallait fermer un pour ouvrir l'autre. D'accord. Bah, j'ai pas fait gaffe, mais du coup, quand je lance mon appli mobile ici, ça fait mobile. Quand je lance mon desk ici, ça fait desk, ouais. J'avais même pas remarqué, moi. Mais oui, en effet, c'est ça. En effet, c'est ça, en effet. Je savais pas que c'était nouveau. Ok. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez bien aimé cette petite astuce du drag and drop, là, qu'on vient de faire? Donc, je rappelle, c'est comme l'astuce de la maps. Il faut une frame qui fait la taille de la planche, qui a les overrides en scroll et une frame plus grande pour faire l'effet drag and drop. Voilà. Faut être en pro pour créer des dossiers, ouais c'est ça. Juste pour info, je sais pas si tu as vu que tu peux unhide un lien bit.ly, j'ai testé. Ah cool. Mais de toute façon, dans tous les cas, Lunat il l'a fait pointer vers rien donc c'est mort. Mais c'est gentil. Figma est mieux que XD. Oui, tout à fait.
en tout cas aujourd'hui à l'heure qu'on parle. Merci Elliot, merci pour ton prime, merci beaucoup pour ton soutien, c'est trop cool. C'est possible sur XD. Je sais pas comment fonctionnent les scroll view, mais je pense que ouais, hein. Si les scrolls ils se comportent pareil sur XD, c'est possible. Ça doit être possible. Ça doit être possible. Et les amis, c'est la fin des actus de Bastu. Il faut qu'on marque ça parce que c'est les actus de Bastu les plus chaotiques du monde. Merci d'avoir suivi les actus de Bastu et le hack de mon Discord, bien sûr. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de Bastu. Et oui, effectivement, c'est uniquement sur la bêta. Je l'ai dit dans ma vidéo, je l'ai mis dans la description de ma vidéo. Et bon, allez les amis. Trêve de plaisanterie. Je me calme un peu, j'espère que vous êtes sages sur le Discord. Merci Hagrid encore une fois. La voix de la raison, celui-ci. Les Caoctus de Basti. Salut Geoffro. Désolé, non, pas de soucis. Alors j'ai une nouvelle scène aussi pour le train, la hype. Peut-être qu'un jour vous la verrez du coup quand vous me hyperez le train bientôt. Merci Lunat au contraire, bien sûr. Il est obsédé par le Discord Bay parce que... Bah parce que j'ai pas envie qu'il soit abîmé pour vous. Le Basti Quiz c'est pour quand? Il manque une réponse d'un partenaire pour lancer la com. Une réponse d'un partenaire. Parce que je voulais faire des petits cadeaux. Et après c'est good, je peux lancer. Après ce qui se passe c'est qu'il y a pas mal de choses qui arrivent toutes les semaines. Notamment Ballot et tout, donc voilà. J'avance au fur et à mesure, mais ce qui est cool, c'est qu'on a un événement par semaine. J'adore comment Basti arrive quand même à me déchiffrer live malgré mes fautes. T'inquiète, on a l'habitude. On a l'habitude. Les amis, c'est l'heure de l'UI Review. Je lance le générique de l'UI Review. Je déconne, j'ai pas de générique de l'UI Review. Faudrait que j'en fasse un d'ailleurs. C'était prévu, mais bon, c'est encore une des milliers de choses à faire. Ravenc, au tableau Ravenc, viens nous présenter. Ton exposé, ton UI review, c'est ton tour, on va regarder tout ça. Bienvenue à Minus Brain, bien sûr, qui a une UI poilu. C'était noté en bas, c'est pas moi qui le dis. Alors, est-ce que Ravenc est dans les parages? Ravenc, s'il vous plaît. Il était là, bien sûr, comme d'habitude, il y a quelques secondes. Attendez, je vais le arrobase. Bon, après, vous pouvez poser des questions en attendant l'arrivée de Ravenc. Voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Oh, il est là. Ça a marché. Alors, je vais lire ton message, Ravenc, et on va passer à l'UI Review. Pour rappel, le principe de l'UI Review, on va regarder le travail de quelqu'un qui peut être soit très débutant ou soit plus confirmé. Dans tous les cas, le but, c'est de lui faire des critiques constructives, donc des remarques de choses qui sont bien, des remarques de choses qui sont pas bien, et le but, c'est de s'améliorer. Voilà. Pas juste le but de donner son avis, c'est de dire voilà, comment ça pourrait être amélioré ou pas. Ok, alors on va commencer tout de suite et je vais vous lire le message que j'ai sous les yeux de Ravenc. Salut Basti, je voudrais participer à l'UI Review sur mon petit portfolio de développeur. Donc c'est un portfolio de développeur. J'y connais pas grand chose à l'UI, mais je peux apprendre 2-3 trucs, ce serait cool. Le site est accessible à cette URL, j'ai fait un Figma si tu veux faire des modifs. Ok. Donc je regarde un petit peu s'il y a d'autres messages. Juste pour info, le Figma n'est pas encore complet. Je connais pas trop l'outil. C'est plus pour essayer des petites modifs. Donc on va regarder ton site, hein, de toute façon. Hop, play. Alors les amis, je vais vous laisser regarder le site. Je vais le scroller tout doucement. Et vous allez faire vos retours tout doucement dans le chat. Salut Black Pixel, comment tu vas? Allez, c'est parti. Alors CB. About me, my rock experience, contact me. Ok. Ok. Ouais. Ok.
Alors, ok. Très bien. Est-ce que vous avez des remarques sur cette page, les amis? Le responsif, contrôle magie. D'accord. Ça fait très bootstrap, d'accord. Justification des textes, aïe aïe aïe. On est d'accord. C'est développé en quelle techno, je ne sais pas. Alors, on ne justifie pas les textes ici, hein, les amis. Regardez, ça crée ce genre de problème. Des espaces beaucoup trop grands entre les mots qui cassent la lecture. Donc, on ne justifie pas ces textes en UI design. Le centré, c'est encore accepté, mais l'idéal est le ferré à gauche pour éviter justement ici un petit mot en drapeau qui se promène ou des grands espaces qui se créent comme ça. D'accord ? Salut Benjamin Code. Lunat Code, pardon. Dans quel cas on peut justifier en UI ? On ne justifie pas en UI design SVP. Voilà. Ça peut répondre à la question. Dégradé de couleur, pas fan. Ok. Alors, quand on survole les boîtes de dialogue. Alors moi j'ai un problème avec ces boîtes de dialogue. C'est que déjà, on a des textes rand movie, tout ça, qui sont sur des autres screenshots qui ont déjà des textes blanc sur bleu bizarre, ben bleu transparent, pas super contrasté. Et quand on passe sa souris, on a une description et on peut pas cliquer. Donc c'est bizarre d'avoir un rollover sans clic. Et ici, on a un rollover avec un clic. Donc j'ai pas le détail des trucs et ça me fait un peu bizarre. Flutter mobile app. Ok. Ça fait un peu bizarre le comportement, voilà. Line 8. En hover, en plus, le nom du projet. Ok. Alors moi, c'est ça qui m'a dérangé. Je suis pas trop fan du dégradé non plus, car il y a une zone qui est un peu sale ici. Pas très... La couleur marche pas très bien. Et je suis pas trop fan du haut de la page non plus, parce que ici, ça me fait penser à un bandeau promotionnel. I'm looking for an internship, nanana. Je comprends l'idée, mais ça a le même design qu'un message parasite sur d'autres sites, et du coup, il donne pas forcément envie d'être lu, je sais pas comment vous dire. C'est volontaire le rectangle vert. Le rectangle vert, c'est plutôt correct, j'aime bien, à la rigueur. Plus la couleur que je trouve pas au top top, mais j'aime bien le rectangle vert, moi. Un petit truc graphique très simple, là, ça marche bien, je trouve. On dirait un bandeau de cookies. Voilà, on dirait un bandeau de cookies, exactement. Et du coup, c'est dommage, parce que ça cache le message. En plus, écrire vert sur vert, c'est pas hyper lisible, quoi. Voilà. Le rectangle derrière le nom va pas trop avec le reste du site, qui est tout en rondeur. C'est vrai. Tout à fait. Ici, tu utilises des radius assez forts, et là, tu utilises des pointes. Dans ton CTA, tu utilises encore un autre radius, encore un peu différent, ici encore plus fort. C'est vrai qu'homogénéiser tout ça, ça pourrait être sympa. Moi, je pense que ton zoning est cool. Logo, lien, hero header, présentation, tac, tac, tac. Il faudrait juste retravailler un petit peu le look. Ça manque d'une ligne directrice entre chaque truc. Je trouve que ta police aussi est dommage parce que... C'est quoi, c'est Roboto ou un truc comme ça? Roboto. Quel œil aiguisé. Donc ça, pareil, Roboto, pas incroyable. Hein. Si tu peux aller chercher une Google Font, il y en a tellement maintenant qui sont très cool. Ça permettrait de rafraîchir un peu parce que le template est très bon. Hein. Mais voilà. Hello. Ouais, des grosses typos, mais plus belles que ça, quoi. Ouais, peut-être. Et moi, ici, j'ai un petit souci, c'est que t'as des pictos bleus. Puis après, du vert. Je trouve bleu-vert, ça va pas trop comme ça. C'est plus très moderne, on va dire. Bon, après, si tu passes tes logos en peut-être en grisé, ce sera peut-être moins guirlande. Mais voilà un petit peu mes retours là-dessus. Si je fais ça, ça fait quoi? Ça fait ça. Donc ça veut dire que ouais, je peux pas voir plus. On va regarder le Figma rapidement. Voir si on peut trouver des choses à faire dedans. Alors des recos de fontes, franchement, il y en a tellement de fontes cool. Voilà, Insane, si t'en envoies. Sur Google Fonts, rien que Google Fonts, tu peux vraiment avoir des bons résultats. Alors pourquoi ça s'ouvre pas? Oh, il s'est ouvert dans le navigateur, c'est pas grave. Ok. Ok. Ouais. Déjà, là,
Regarde. Ah. Ah, quel plaisir. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, ça, c'est dommage. Et ça, c'est pas très moderne aussi. Tu vois, si tu claques une police, j'en mets une au pif. Hein. HK, c'était... Non, je sais plus. Bon, elle est nulle. Elle est pas incroyable, mais bon. Roboto, on n'en peut plus. Et les couleurs, je trouve ça dommage, ouais. Dégradé aussi, je trouve ça dommage. Et bleu et vert, je trouve ça dommage. Moi, je resterai sur une couleur. Et pareil pour les arrondis. Là, t'as un carré, là, t'as un arrondi. Faut s'arrêter sur un des deux styles, quoi. Ouais. La partie projet, je trouve qu'elle met pas en avant ni l'image, ni le texte. Donc, il faudrait trouver autre chose. Pourquoi pas le texte en dehors, sur un truc un peu plus classique, tu vois. Le vert plus clair, genre vert bleu turquoise, ça serait sympa. Ouais, après, comment dirais-je, peu importe la couleur, c'est juste que là, ça va pas trop, quoi. Les deux mélangées, elles sont pas trop. Elles sont toutes un peu, tu vois, un peu pastel, donc il faudrait un truc plus, voilà. Enfin, après, c'est toi qui choisis, évidemment. Mais, tu vois, quelque chose de plus vif pour montrer que t'es... Tu vois, même si t'aimes pas ce bleu, le choix ici de la couleur bleu, par exemple, bah, au moins, là, c'est une charte tranchée, tu vois. Là, tu reconnais le branding de Cedric. Inter, Space Grotex, DM100, Poppins, Rubik sont des très bonnes polices, ouais. Donc, je vais annuler ça, bien sûr, mais moi, j'éviterai les dégradés qui se font un peu vieillots en ce moment et les couleurs un peu trop pastelles. Je mettrais pas ça comme ça. Je mettrais plus en dessous à la rigueur, mais ça fait vraiment bandeau de... Comme l'avait dit quelqu'un, bandeau de cookies, quoi, c'est dommage. Peut-être ça, le passer en gris, peut-être. Et ça, ouais, peut-être plus mettre en avant la photo. Et c'est toujours bizarre d'avoir des tuiles qui sont pas cliquables, hein, surtout quand elles ont un rollover comme ça. Hein. Moi, ça me perturbe pas mal. Hein. Sinon, l'intégration est très cool. Le zoning et l'enchaînement des blocs est très bien. T'as ce qu'il faut pour ton portfolio, faut juste lui mettre un petit coup de design. Même sans être très... original ou novateur, hein. N'hésite pas à aller voir d'autres blogs ou d'autres trucs pour piocher des petites idées de mise en page classique, quoi, sur des trucs, des thèmes WordPress ou des Wix, quoi, mais voilà. Ouais, le bleu que j'ai mis marchait pas mal, ouais. Perso, j'aime bien le orange violet. Ouais, voilà. Bon, après, moi, je mets du orange violet sur ma chaîne, tu vois. Mais le tout, c'est de pas en mettre trop non plus. Essayez de pas de mettre trop de couleurs différentes. Là, déjà, dans cette zone, il y a trop de couleurs. Salut, carcasse. J'aime pas non plus quand les textes, ils sont verts, tu vois. Parce que le vert... merde, il n'y a plus de menu. Parce que le vert, c'est la couleur de tes liens, tu vois, de tes trucs cliquables. Et ça, j'ai l'impression que je dois cliquer dessus, quoi. Et ouais, j'avoue, pourquoi pas du dark mode sur ton site, en vrai. Pourquoi pas le passer en night mode, tu vois. De toute façon, night mode, c'est très dur à faire aussi. Hein. Night mode, c'est assez dur à faire, mais voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme conseil? C'est pas mal, tout ça. Alors, je voulais pas péter ta maquette, donc j'ai annulé, mais en vrai, si je devais toucher rapidement, je peux faire l'exercice pour m'amuser, hein. C'est bizarre, pourquoi il y a trois fois développeur. Pareil, tu vois, là, langage I know et tout, c'est bizarre. Attends, j'arrive pas à comprendre. Ok, back-end, front-end, développeur. Ok. Tu vois, là, ça dégage. Langage I know, technologie I use, ça a pas d'intérêt. Par contre, regarde. Je prends un texte, tac, je le mets en texte normal, je le mets dans un auto layout, je mets un petit fond, disons comme ça, je sais pas. Voilà.
Et à chaque fois que tu ajoutes un savoir, tu fais un tag. GitHub. Docker. Jiraya. Tu te fais un petit nuage de tags à chaque fois. Plutôt que de faire langage Aino et tout. Tu vois l'idée ? Après, à voir si tu pars en full carré ou en full rond, mais... C'est pas bien aligné, mais bon. J'essaie de faire style. Okidoki ! Voilà, et au lieu de faire ça, parce que les titres, langage Aino, machin, machin, je pense pas qu'ils apportaient grand-chose, juste tu fais tes nuages de mots avec Python, Java, truc bidule, tu vois. Ça, c'est peut-être trop arrondi. Ah, ça peut être cool. Qu'est-ce que vous en pensez ? Orange marche très bien, tout ce qui est service, ok. J'adore voir une maquette review, ça permet de voir ce qu'il faut faire et je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre. Tout à fait. C'est beau, carré. Et ça, je les ai pas changés de couleur. Ah merde. Voilà. Donc là, tu mettais différents tags et tout. Merde. Bien sûr, là, faut que ce soit dynamique, que ça retourne à la ligne tout seul, quoi, mais... Voilà. Tu fais des maquettes review souvent? Ouais, au moins une fois par semaine. J'aime bien l'utilisation des tags. Ouais, c'est bien les tags, là. Après, voilà, ça, c'est une première chose. Bon, là, je te fais pas le wording, mais voilà, t'as compris l'idée. Et... Oh merde, je te l'ai fait dégueulasse, je te l'ai laissé dans la frame. Voilà. Et après, petit bonus version 2. C'était quoi la fonte? Bref, c'est pas la bonne fonte, mais bon. Voilà. Et si tu veux être un peu moins flat dans ton template, au lieu de mettre des trucs plats, tu peux aller chercher des petits points comme ça. Et faire des petites formes un peu aléatoires. En vrai, c'est pas compliqué à faire. Ça peut donner un peu de délire des fois. Si j'arrive à le faire. Oh là là, je fais n'importe quoi. J'en sais rien. Voilà. Si tu veux donner un peu de gueule, alors si tu pars sur un thème un peu pointu, ça peut être ça. Si tu pars sur un thème un peu arrondi, bah vas-y, augmente les arrondis des angles. Enfin, tu vois, après, à toi de voir ton identité, mais... Moi, je trouve le pointu, ça peut bien marcher. Genre, on met tout en full carré, tu vois. Je sais pas si t'es quelqu'un de rigolo et doux ou de plutôt organisé et carré, mais voilà, après ça peut être aussi des façons de parler de toi, de faire un beau design. Et après, bah, tu peux dupliquer la forme et les mettre en, je sais pas, 90% d'opacité, peut-être même moins, et juste venir décaler un petit peu les points, si tu veux faire des effets, ou pas. Hein. Voilà, je te fais nimp, t'as compris quoi. T'as bien accompli et je te fais une petite idéation random, quoi. On va regarder ce que ça fait. Tu viens casser l'euro un peu blanche. Bon, ça c'est raté, mais bon, t'as compris le principe, c'est faire un truc un peu plus vivant, tu vois, quand t'es sur cette strate-là ou quoi. C'est quoi le principe du live? Là, je critique et j'aide à améliorer une maquette de Ravenc. J'ai souvent du mal à mettre de l'originalité, mais les maquettes, par exemple, de l'expérience. Bien sûr, bah après... C'est un travail, mais là, je te fais une idéation qui n'est pas fondée. C'est-à-dire que je fais ça au pif. Bien sûr, ça ne correspond pas du tout à ce que tu es. Donc, il ne faut pas non plus prendre ça comme l'unique réponse. Mais c'est une des idées, quoi. Pour te débloquer aussi, tiens. Et pour le personal work... Attends, je suis en train de tout déglinguer, mais... Ouais, c'est bon, c'est encore là. Personal work, something more classical like this. Tac. Tac. Bon, pareil, là, c'est pas... Essaye d'avoir un... Essaye d'avoir des mock-up un peu plus sexy, raffiné, là, tu vois. Quitte à faire un truc un peu plus genre comme ça. Tu viens mettre ça.
est un projet que j'ai fait avec amour. Regarde le STP. Tu vois, et tu viens caler des beaux visuels ici. Hein. Ça peut être déjà mieux. Sexy raffiné, bien sûr. On peut t'envoyer les maquettes ou si jamais. Point d'exclamation, UI review. Le chute orange, bien sûr. UI review et ça part en DM Discord si le Discord n'est pas décédé. Pareil, là, tu peux jouer en web sur des gros titres. Des fois, ça peut être sympa. Et n'hésite pas à bien utiliser le vertical spacing aussi. Bon, ça sera sympa quand tu auras trouvé ta police qui ressemble bien à ton style, mais au moins là, il y a quelque chose, tu vois. Je dégage ça en attendant, mais... Imagine, quoi. Là, je t'ai mis HK grotesque. Je sais pas ce que ça peut donner si je mets tout en HK, qui est plus géométrique déjà. Et en vrai, je sais pas. Moi, j'irais jusqu'à faire ça. Je veux pas en choquer certains, mais j'irais jusqu'à faire ça. Quoi. Je sais, c'est un peu fou. Là, j'écrirais que tu recherches un travail, machin. Et du coup, là, faut que tu mettes tes projets vraiment dans des petits mock-up sur fond uni, quoi. Le contraste sur les textes I'm Cédric est suffisant. Bonne question, je vais regarder. Attends, je vais faire juste un truc vite fait. iPhone mock-up. Pour m'imaginer, hein. Image, tools, transparency. Voilà, imaginons que tu as fait ton mock-up là-dedans, tu vois. I mock-up like this, quoi. Yes, I. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula! Copier l'image. Oula! Non! Oula! Voilà, après tu me fais des beaux. Tu me fais des belles tuiles comme ça, d'accord? Voilà, c'est moche, mais t'as compris quoi. Tu me fais des beaux fonds unis comme ça qui donnent envie d'aller voir tes projects. Mais. Attendez, mais j'ai combien de. Ah, ok. Combien de Google ici? MacBook. Très beau, merci. Incy Baby. Tools. Transparency. Ça, c'est ça. Hein. Ça, c'est ça ton projet, je le reconnais ton projet. Je le reconnais ton projet. Bon, j'ai plus qu'à vendre ce template sur Wix.com pour $75, les amis. Désolé, je vais devoir aller faire. Je reviens, je vais vendre ça sur Wix.com à toutes. C'est bon, c'est sur le store de Wix.com. Vous pouvez tous vous le procurer. Pour la modique somme de $72. Twix.com, bien sûr. J'avais oublié le vrai nom du site. Oula, mon petit Fab. Wouh. Bon. Je viens de me taper un délire total sur ce design, les gars. Je m'arrête plus. Au secours, je m'arrête plus. Assez fort le contraste? Ouais, je pense, en vrai. En vrai, ça va, je crois. Je suis Cédric Quinquin. Bah écoute, c'est de toute beauté pour moi. Moi, j'achète ce design. Voilà.
J'achète le design, 79$. Allez, n'hésitez pas à me faire le virement d'air. T'es le meilleur de Modo de tous les temps. Ah. En vrai, c'est pas trop mal comme zoning. Bon, après, faut continuer. Voilà ma vision d'un portfolio de développeur, en tout cas. Salut Jordan Le Gâteau. Est-ce que ça t'a intéressé, Ravenc? Est-ce que ça te donne... Je sais plus parler, au secours, je sais plus parler. Est-ce que ça t'a servi, Ravenc? Bon, excusez-moi, Basti ne sait plus parler, donc je prends le relais. Ravenc, est-ce que ça t'a servi? Ravenc. Bon, il répond. Bah, je me casse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Pas de soucis. Alors, je redis, faut pas faire ça, forcément. Voilà. Mais, pour moi, ça a une unité. Là, il y a des arrondis, il y a deux couleurs et tout. Donc voilà, t'es pas obligé de faire ça, mais voici un petit peu les astuces pour rendre le truc plus lisible. Là, c'était empilé, pas lisible. Là, c'est là en dessous, lisible. La couleur est unifiée, c'est sympa. Les textes sont ferrés à gauche, c'est lisible. Les cartes avec les tags, c'est plus lisible. Les petites formes plus originales, ça peut être sympa. Les textes plus contrastés, etc., etc. Mais t'es pas obligé de faire ce que j'ai fait. Voilà. Ok, bah merci à tous d'avoir travaillé avec Ravenc sur sa maquette. On va passer à la dernière UI review de la soirée, et il me semble que c'est un jeu de Citron Rapide. Est-ce que Citron Rapide tu es là? Alors, Citron Rapide du jeu, ok, je vais lire ton message et on va procéder à l'UI review de Citron Rapide. Même chose, on va regarder ce qu'il a fait et on va critiquer l'ergonomie, le design pour essayer de faire évoluer le produit. Alors, Citron Rapide, je fais ta présentation. Hello Bastien, la team Citron vient de lancer un nouveau jeu en ligne multijoueur. Emoji Citron dans le chat, bien sûr. Prêt à me faire détruire? Non, on n'est pas là pour ça. Prêt à avoir une audit gratuite, plutôt? Parce que ça. Tu vois ce geste? C'est le geste que je fais tous les jours à mes clients quand je suis à Malaga, bien sûr. Emoji citron, voilà. C'est parti, allez, citron. Oula. La Moulaga de Malaga, bien sûr. La team Citron vient de lancer un nouveau jeu en ligne multijoueur. Je suis certain que ça pourrait t'intéresser. Le principe est hyper détaillé. Je sais plus parler. C'est fini, en fait. Le principe est hyper rapide à comprendre. Chacun doit répondre à une question et les autres joueurs doivent noter la réponse. Tu peux venir critiquer lui dès maintenant sur citronrapide.fr. Et si tu testes, je suis à l'écoute des retours. Voilà. Et bien écoutez, on va aller faire un tour sur ce site en tant qu'utilisateur, bien sûr. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on a à faire comme critique. C'est parti les amis. Voici l'interface. Je vous laisse faire vos retours dans le chat quand vous aurez fini de mettre des emojis, bien sûr. Alors. Donc, on a les règles. Règles du jeu. Les joueurs répondent à une question en essayant d'être le plus créatif, drôle et pertinent possible. Découvrir les réponses de tes adversaires, évaluer-les. Le joueur qui obtient le plus de citrons gagne la partie et reçoit une couronne. Ok. Bon écoute, on est sur un template. Salut Tralor. Alors, le fond vert tapis de poker rend bien, on pense directement à un jeu. Alors ouais, on est sur un template de jeu qui n'est pas sans rappeler plusieurs jeux. Par exemple, le K-Culture. Voilà. Le jeu, le pseudo et on joue. Qui n'est pas sans rappeler non plus... comment ça s'appelle ? Gartic Fun, je pense. Voilà.
le pseudo comment jouer. Voilà, on est un peu sur du ça. Donc on est sur un jeu web confinement friendly. Donc sur le zoning, je pense que j'aurais rien de spécial à dire. À part que le fond vert, c'est pas mal. Les petits patterns, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'on voit bien les CTA. On voit bien les trucs cliquables. Le jaune pourrait peut-être être un peu plus lumineux, je sais pas. C'est peut-être mon écran, mais peut-être un peu fade. Il pourrait peut-être être plus peps pour ressortir encore plus. Là, ça va pas. Ouais, trop de couleurs sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer. Excellente remarque. Unifie-moi ça sur un fond jaune ou sur un fond blanc, quoi. Ce sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus discret. Mais écoutez, après, on peut partir sur une petite game pour voir les autres écrans. Mais bon, là-dessus, la couleur de l'action, c'est le jaune. Je prends le focus, c'est le jaune. Le bouton, c'est jaune. Bon, les titres sont jaunes. Je les aurais pas mis jaune moi parce que ce serait plus pour les trucs cliquables. Mais c'est pas hyper grave. Les petites illustrations sont présentes. Cette police cursive, je sais pas. Peut-être. Ouais, le jaune, je l'aurais vu beaucoup plus citron, ouais. Ouais. Une animation over, il y en a une, mais elle pourrait être un peu plus en mode 3D qui s'enfonce, ça pourrait être sympa, voilà. Le jaune, j'aurais vu un peu plus acide, en effet, moi aussi. On a le droit d'unifier les icônes, oui, t'as le droit de modifier les icônes, voilà. Mais sinon, voilà, c'est rien à dire. J'aurais peut-être pas fait une cursive, moi. J'aurais peut-être pas mis la cursive, là. Mais bon, écoutez, ça ne gêne pas trop la navigation, en tout cas. Ça manque un peu d'harmonie, ouais. Bon. Je saurais pas trop quoi dire d'autre. L'interface est un peu datée. La texture de fond, ouais, mais la texture de fond, ça peut marcher. Regardez ici. Alors là, les couleurs sont plus saturées. Ça manquerait peut-être juste un peu de sature de couleur finalement. Oui, je comprends un petit peu l'idée d'avoir le fond comme ça. Peut-être qu'il faudrait plus de boîtes pour contenir les trucs. Ici, peut-être une petite boîte. Bon, sinon ça va. Les avatars, c'est sympa, ouais. Peut-être les avatars aussi plus colorés. Tu vois, genre un fond vraiment beaucoup plus coloré. Genre le fond vert clair, le fond rose clair. Tu vois, parce que là, on voit peut-être pas 100% la différence, quoi, entre les dés. Le point .fr sur logo est obligatoire, ça peut aider à faire comprendre que c'est un site. Bon. Trop d'espace vide? Non, ça va, c'est un jeu. C'est un jeu center, ça me choque pas l'espace vide. En plus, c'est mobile friendly, donc ça me choque pas. Hop, règle du jeu. C'est plutôt astucieux. Non, c'est très bien fait à ce niveau-là, ça me choque pas. Non, c'est ok. Mets Thomas comme pseudo, putain, j'avoue. Thomas, bien sûr. C'est un peu terne, je saturerai les couleurs. Je suis honnête avec vous, je saturerai un peu plus les couleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, le jaune plus jaune. Alors, une partie privée ou publique. Je sais pas, public. Ok, donc là on arrive sur le choix des parties. Alors. Ok. Bah, à peu près les mêmes remarques. Les actions en jaune, on les voit bien, c'est cool. Le retour à la home. Si je fais une privée. Ok, ça va être intéressant là. Donc là, on voit 100% le pattern de Gartic Fun. Ok. Alors. Qu'est-ce qui marche sur Gartic Fun qui marche pas ici? Ici, c'est un peu dense. Tout est un peu dense, en fait. Sympa le pseudo, merci. Des têtes de citron pour les avatars pourrait être très cool, ouais. Un peu dense. Tout est un peu dense, ça manque de padding entre les éléments, du vide. Tu vois, là, le zoning est beaucoup plus clair. Là, le padding est assuré par des cases. Là, il y a beaucoup de vide entre les éléments. Là, tout est très serré. Ok. Je vais mettre le lien si jamais je veux récupérer des joueurs, on sait jamais. Donc
Donc je vais, est-ce que je vais expliquer ma magie pour hiérarchiser les options? Pas nécessairement, mais le fait est que déjà là, il y a trop d'éléments. 3, 12, le picto, la cursive, tout le monde, machin. Il n'y a pas de marge. Tu vois, il n'y a pas de marge ici. À l'intérieur, du vide. On a choix du mode. Configuration qui sont deux titres qui ont un look différent. L'invitation devrait pas être là, elle devrait être mise tout à la fin ou tout au début en très gros. Le démarrer, pareil, devrait conclure la page. Les paramètres, ok, nombre de questions, ok. Tout ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça s'affiche pas dans l'ordre. Ça s'affiche pas dans un ordre logique. Alors, je vais pas faire une étude UX design du truc, mais voilà ce que j'en ressens là. Bon, la liste des joueurs, j'expulse Jordan Le Gâteau par exemple, ça me paraît tout à fait normal. J'expulse aussi Busty, cet enfoiré de Busty bien sûr. Et voilà, alors effectivement, il y a un système d'onglets ici qui permet de moins ranger les informations. Durée normale, hein, et tout est bien rangé. Alors que là, on a des templates qui varie une fois le titre est là, et là pareil, ton œil il doit faire ça. Alors, est-ce qu'on ferait pas un onglet configuration et on garderait que ça sur la première page? Voilà, et un onglet pour settings, ce serait peut-être mieux, mais en tout cas, c'est un peu le bordel. Inviter démarrer, là, c'est ce que je disais. Conclure la page par inviter démarrer, c'est ce que j'ai dit même sans les copier sur Gartic Phone. Inviter démarrer, ces deux actions principales, elles doivent conclure la page et être très grosses en bas. Là, elles sont perdues dans les options. Après, encore une fois, ça marche très bien. C'est-à-dire, j'ai réussi à inviter des amis, mais on est dans l'optimisation là. J'enlèverai la cursive, moi. La cursive, elle me dérange. Garde-la que sur ton logo, c'est mon avis perso. En plus, t'as un invité là, quoi. Et là, ici. Ok. Tout public, bien sûr. Alors, on va avancer un petit peu. Je vais lire un peu vos messages. Je te laisse lire les messages toi-même, Citron. Je vais pas tous les lire. Les couleurs ne font pas peps, contrairement à ce que demande un jeu comme celui-ci. Après, la partie UX flanche un peu l'accompagnement utilisateur et un peu plus, il faudrait plus catégoriser les options. Ok. J'aime pas bien quand on passe le curseur sur le logo. Oh, ça va, ça encore. Je vais tester avec une seule question. Ouais, t'inquiète. On va tester, non mais... J'essaye de... Bon, je lis pas tous les commentaires, Citron. Je te laisserai utiliser les commentaires qui t'ont intéressé dans le chat. Sache qu'au moins, là, t'as un test utilisateur avec 220 personnes. Donc, c'est un truc plutôt cool. Le vert, c'est une bonne idée pour le fond. Mais il faudrait peut-être que, justement, grâce aux boîtes... Enfin, je sais pas. Le vert, il faut peut-être le faire un peu bleuté, quoi. Pour qu'il soit moins vieillot aussi, peut-être. Ouais, ça, ouais. Bon, il y a un travail de hiérarchisation. Ok, bon, on va démarrer. Mais en tout cas, voilà, les remarques ont été dites un peu dans le désordre, mais c'est parti. Alors, la partie commence dans... Ça, c'est très bien. Très clair. Bonne UX. On a tous les joueurs, on a la partie dans cette zone-là, c'est très cool. Voilà. Alors, je sais pas s'il faut être marrant ou s'il faut être réaliste, mais on va jouer. Pourquoi pas un bouton jaune ici? Tu vois, modifier, valider, pourquoi pas jaune? Tu vois, t'as mis du vert. Du coup, l'action ressort peut-être pas bien, alors que c'est l'action principale. Encore, tu vas me dire, c'est pas grave, hein. T'as qu'à valider avec le bouton entrée. Les petits pointillés autour, why not? Mais on comprend pas trop que ça a été validé. Il faudrait peut-être que ce soit vert avec un check pour comprendre que t'es validé. Voilà. Alors, on va noter les réponses des autres, c'est ça? Je dois distribuer 5 citrons. Le truc qui me donne vraiment de l'espoir, c'est... Ok, ça apparaît un par un. Bastille, bien sûr, c'est voté directement. Ok, donc là, on doit distribuer des citrons. Alors, j'ai mis un citron à... Bastille. Ok, ça s'affiche là. Alors, c'est un peu dommage parce que tu vois, quand j'ai appuyé sur plus pour donner un citron à la réponse Bastille ou à la réponse Hagrid, je l'ai pas vu tout de suite et j'ai cru que ça allait bugger parce que j'ai pas vu le citron apparaître là.
Ah merde, il n'y a plus beaucoup de temps. J'aurais bien voulu que ça écrive plutôt à 1 ici en fait, dans le compteur. Ou alors que le plus et le moins soient ici, mais en tout cas c'était bizarre d'appuyer sur plus et de le voir que là quoi. Ouais. Bien sûr. Je sais pas, le fait qu'il y ait un citron entre les deux et que c'est, le chiffre s'affiche pas là, ça m'a fait bizarre. Une petite animation peut-être, ouais. Ok, donc c'est les poids. Moi j'ai eu que 1 point, dommage. C'est ce que je fais pas tant détruire mon nuit. Ah, après, je prends du temps pour critiquer, mais comment dirais-je, tout ça fonctionne. Hein. Et du coup, bravo à toute l'équipe qui a créé ça, c'est très cool. C'est très cool. Alors pourquoi elle a eu 7 votes et elle a moins 5? Ah, parce qu'elle a pas distribué. Alors, si tu étais un lion, que ferais-tu en premier de ta grosse crinière? Ok, donc voilà. Peut-être ici un contour jaune et un check au lieu des pointillés. Et peut-être un peu plus de peps dans les couleurs. Ouais, les plus et moins sont pas très affordants, je suis d'accord, par rapport à toute la place que prend la cellule, tu vois. Tu vois là, bah après je comprends que c'est pour le responsive aussi, y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais attends, on va attendre d'être sur la phase finale. Je vais te montrer ça. J'avais pas vu le bouton valider. Tu vois là, le plus et le moins à côté. Mais ils sont pas très affordants. Et en mobile, ils seront pas très cliquables. En plus, t'as les réponses qui apparaissent une par une. Donc ça, je comprends. Un peu pour animer la soirée. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt avoir un gros plus là, En fait, le moins ne sert à rien. On est d'accord. Donc le moins ne devrait pas apparaître. D'accord. T'aurais un gros plus là, un gros plus jaune là, d'accord? Poum, ici. Un gros plus jaune. Et une fois que t'as un gros plus jaune, t'as le gros moins qui apparaît là. Voilà. Et du coup, en cliquant dessus, en plus, tu mets les citrons. Donc ça, en plus de ça, ça marche. Donc je mettrais juste un gros plus dans le coin et un gros moins à gauche une fois que t'en as mis un. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai mis n'importe quoi, mais vous avez compris. Je pense que ça peut être ça, l'optimisation. Il y a plein de gens qui n'avaient pas distribué leurs points, donc c'est pour ça que c'était pas très clair. Donc moi, je mettrais un gros plus à droite. Je mettrais pas le petit plus et moins sur le côté. Et en plus, en mobile, ça t'emmerdera. Je vais le faire en mobile la prochaine partie. Là, on peut mettre 5 citrons. Mais ça, c'était pas très clair non plus qu'on pouvait mettre 5 citrons. Ouais, un citron vert, un citron bleu, un citron avec des lunettes, un citron avec une perruque pour faire plein d'avatars, ouais. Alors, balance une phrase que seuls tes parents pourraient te dire. C'est très profond. C'est chiant que ça arrive l'un après l'autre. Bah, c'est quand même cool pour animer la soirée, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Baptiste? T'es pas net ou quoi? Bah si, je suis très net. Ah merde, j'aurais dû dire je pourrais être ton père. Pourquoi pas traiter les questions avec une graisse plus strong, peut-être? Et du coup, là, voilà, en mobile, voilà ce qui se passe, c'est que, imagine, au touch, c'est tout petit, le citron sert à rien et le moins sert à rien. Donc, conseil, un gros plus là, pouf, et après un gros moins là, pouf, voilà. Ok. Voilà, voilà. Nice, ok. Bah écoutez, c'était très cool. Alors on va juste voir le dernier écran de fin de partie. Très original cette UI review. Et puis bravo à l'équipe de Citron Rapide pour le travail. Sushi, on fait une UI review d'un site là aujourd'hui. Je comprends que ça vous embête que ça s'affiche un par un. Mais en même temps, si tu veux animer la partie et que ça lise les trucs un par un, c'est quand même cool quoi. Ouais, on va voir qui a gagné la partie bien sûr. C'est pour l'animation, ouais je suis d'accord. Là je suis d'accord, Citron sur le coup.
C'est fini là ? Voilà. Bravo à Vélix, Thomas. Ah, c'est moi. Et Jordan le gâteau pour cette partie incroyable. Prochaine partie dans OK. OK. Écris-nous. Non, mais ça marche. Bah écoutez, mon avis sur ça, c'est que les couleurs, il y a un truc à faire. Il y a un truc à améliorer. Si tu m'avais envoyé un Figma, j'aurais peut-être pu tâtonner dedans. Mais je crois que tu m'as pas envoyé de Figma. Mais ça manque un peu de peps. Tu vois, là, il y a du peps. Les actions sont blanches, donc elles ressortent bien. Bon, là, c'est de la merde. Hein. C'est Scribble, c'est pas non plus incroyable. Mais voilà. Mais t'es sur la bonne voie. Il y a une excellente base. Il n'y a plus qu'à affiner, en vrai. T'as les petites illus et tout. Je me demande si le fond vert est la chose qui met le plus en avant ton design, en vrai. Dans cette histoire. Et où le background? Je sais pas sur quoi il est mis. Ouais, c'est là. On va tenter un truc vite fait. Étant donné que je suis... Bien sûr, je suis Benjamin Code, comme vous pouvez le constater. Clairement pas. Clairement pas. Par contre, pourquoi pas... Faut un petit dégradé, peut-être, je sais pas. Bref, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire avec cette couleur qui fait trop belote, poker, je sais pas comment dire. Mais bon. Ah ouais, c'est from scratch fait avec le navigateur. Ok. Bah après, la bonne... Là, ton outil, il est utilisable. C'est pas grave que le vert, il plaise pas trop à X ou Y. Mais en tout cas, c'est des améliorations. Pour moi, les plus gros risques, le truc le moins clair qu'on a rencontré dans cette histoire, c'est la disposition de cet écran. Ce serait bien de l'améliorer quand même un petit peu. C'est un petit peu cacaotique. J'enlèverai la cursive aussi et ce picto. Pourquoi pas de tabs. Je remettrai démarrer et partager en bas. Ça, je l'enlèverai. Les réseaux sociaux, ça sert à rien ici. Et un peu plus de margin, un peu moins d'infos là-dedans. Après, le jeu se déroule de façon très bien. Juste, je rajouterai le plus, un gros plus, pour qu'on comprenne qu'il faut donner des citrons. Peut-être une grosse bannière qui dise qu'il faut mettre 5 citrons également. Ceux qui arrivent en cours de live ne doivent rien comprendre à ce que je raconte. Et après, pour la couleur, bah, pour l'instant, peut-être n'y touche pas. Et peut-être quand tu auras un peu de budget, je fais intervenir un designer pour une ou deux journées qui te fasse 2-3 écrans... inspirationnel, demande-lui pas de faire tout le proto, mais voilà, peut-être pour t'aider à avoir un petit chart, quoi. Mais ça fait trop belote, Roland Garros, et c'est pas que c'est moche, mais que c'est, je pense pas que c'est le fil de ton outil, quoi. J'imagine pas que c'est pour les 40-60, tu vois. Pourquoi pas un dégradé jaune-blanc pour plus à la luminosité? Bah, jaune-blanc, les CTA jaunes ne marcheront plus. Et les CTA jaunes, je les trouve très cool, les couleurs d'action en jaune, je les trouve très cool. Donc il faudrait plutôt un fond sombre. Bleuté, orangé, vert d'eau, foncé, je sais pas, mais un truc. Ouais. Citron rapide, je peux t'aider si tu veux. Bah là, t'as plein de gens qui pourront s'amuser avec toi, voilà. Sur la liste des parties publiques, j'ai pas regardé les parties publiques depuis un moment. Si, c'est bien. Bon, écoute, ça va. Moi, c'est ma nouvelle couleur. Ça match pas trop, mais c'est moins... Je trouve que c'est mieux. Après, ça match pas trop avec ça, mais c'est un petit peu mieux, quoi. Ok. Merci beaucoup pour la review. Merci, Citron, d'avoir envoyé ton travail. Et puis, bonne chance dans ta start-up de jeu. On
prend note de tout ça. Ouais, n'hésitez pas si vous, dans un mois ou deux ou plus, vous voulez renvoyer, ce serait rigolo. Thème de saturation. Ah, thème de couleur avec un plus de saturation, ouais. Saturer plus le jaune pour qu'il soit encore plus citronné. Encore plus assumé, d'autant plus que tu écris en noir dessus, donc tu t'en fous qu'il soit pas accessible. Fais-moi un jaune comme ça, quoi. Là, t'as envie de cliquer là-dessus ou pas? Pas mal comme j'entrepote, ouais. C'est un jeu spécial Covid, quoi. Voilà. Et je serais toi, j'irais chercher un fond plus foncé, plus saturé, plus bleuté, je sais pas, mais à tester, quoi. Donc, n'hésite pas à faire des tests, à mettre des screenshots dans le Discord de UI Review. Merci pour le clignotement. N'hésite pas à mettre des screenshots dans UI Review si tu veux des petits feedbacks de la communauté au fur et à mesure. Un vert comme le vert de l'icône citron du chat. Ok. Nice. Bon, c'était un live tumultueux. On s'est fait attaquer notre Discord, les amis. J'espère que ça se passera mieux mercredi soir. Mercredi soir, 19h30, je serai en compagnie de Balot pour faire un épisode spécial de On dessine les logos de mémoire. Donc je compte sur vous pour venir nous regarder, nous supporter, peut-être se moquer un petit peu de nous aussi, j'avoue. Et nous donner des idées de logos. Tu live demain? Non, je live pas demain. Donc venir nous donner des idées de logos, évidemment, et nous voir galérer à les refaire. Ça se passera mercredi soir sur ma chaîne et sur celle de Balot. D'ailleurs, Basti, oublions le fait que tu n'es pas partenaire Twitch. Si Twitch s'effondre et même, tu compterais passer sur YouTube. Je sais pas. Mais pour l'instant, comment dirais-je, Twitch ne s'effondre pas. Après, YouTube, le problème, c'est que c'est pas trop fait pour le live. J'avais déjà fait des lives sur YouTube à l'époque. Et c'est pas vraiment fait pour ça, quoi. Ça nique les stats de ta chaîne, ça c'est mal référencé, ça te fait du watch time pourri, donc YouTube il met pas tes vidéos en avant, enfin voilà. Pas ouf. Bon. Qu'est-ce qui fait quoi? La routine, angle droit, Xari, FIFA, Ultia. J'ai pas envie de raid du FIFA, ni du comment ça s'appelle, GTA. Donc je crois qu'on va aller voir Ultia, le rat. C'est le truc horrible. Si la société s'effondre, je pense que je vais faire en sorte qu'il y ait plus de... Je vais réparer mon Discord. Ouais, YouTube c'est pas fait pour le live, ouais. Alors, c'est pas parce qu'ils ont sorti des features pour améliorer ça le problème. C'est que ça te met pas bien en avant, quoi, ça nique un peu ta chaîne. Oh, si Hagrid s'effondre, je m'effondre avec lui. Alors là, c'est complètement sûr. On va aller voir Ultia, les amis. J'espère que ce live vous a plu. C'était plein de rebondissements. Désolé pour les problèmes de Discord. On se donne rendez-vous, évidemment, mercredi soir. J'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée. J'espère que les raiders ne sont plus là. Faut que je mette à jour mon lien Discord un peu partout. Merci à tous les subs, à tous les dons, et merci à tous. Je peux aller me coucher dans ma cabane. Coucou les amis, je ne m'effondrerai pas. Merci à tous. Le message pour Ultia, c'est coucou de la part des UI. On part en raid. Passez une très belle soirée. Ciao tout le monde. C'est parti, le message est coucou de la part des UI. Je vous l'ai mis dans le chat et c'est parti pour le raid. Merci. Elle va essayer de se raccrocher à peu importe quoi d'autre qui va lui donner de l'attention, quoi. Merci Basti pour le raid. Merci beaucoup, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup. Coucou de la part des UI. Coucou. Coucou tout le monde, comment vous allez? Vous étiez sur quoi? On va passer sur GTRP aujourd'hui, c'était pas prévu, on devait faire du Monster Hunter. Et au final, je me suis chauffée dernière minute parce qu'il y a Angle Droit qui y va et j'avais envie d'aller la voir, donc
Tu as changé ton angle de cam. Non, en fait, j'ai un peu zoomé la cam. Et j'ai un peu baissé pour éviter que vous me disiez que le meuble n'est pas droit. C'est bien comme ça, non? Vous en pensez quoi? En fait, c'est ça, Arnaud. Lorenza, elle aime bien se sentir importante. Mais... elle aime bien se sentir importante, mais en fait, dès que ça part trop loin, elle flippe, en fait. Elle pète les plombs, quoi. Toi qui voulais pas du tout un RP amoureux, ça te dérange pas? Bah, en fait, par RP amoureux, ce que je disais quand je disais « Ouais, je trouve ça cringe, le RP amoureux », je parlais surtout du RP, parce que moi, j'avais une vision hyper faussée du...